choses évoluent, malheureusement pas toujours dans le bon sens, mais dire aussi que les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a, pour la deuxième fois consécutive, accordé à la question de la nature un intérêt particulier, puisque à deux reprises depuis 2020 et donc maintenant 2021, la nature est mise à l'honneur par les Nations Unies. Et le thème retenu pour cette année, c'est la restauration des écosystèmes. Après le précédent slogan qui était, si mes souvenirs sont bons, le temps de la nature. Voilà. Et la restauration des écosystèmes est une question importante, effectivement. Et les Nations Unies, en plus d'appuyer sur ce fait que la nature soit encore une fois le deuxième slogan, lance cette année, comme vous le savez, toutes et tous, la décennie internationale pour la restauration des écosystèmes. Et donc tout ceci montre l'intérêt que la communauté internationale doit accorder à ces questions de préservation de la nature. La nature est en effet, et vous êtes aux premières loges, vous, mesdames des Nations Unies, mais également les collègues qui sont ici, il y a des chercheurs, des universitaires, des responsables dans les administrations, des représentants de la société civile, savent tous que la nature est malade, pour reprendre des termes que tout le monde comprend. Et elle souffre, et les symptômes sont là. La température qui monte, une déshydratation, entre guillemets, si vous voulez, avec dans beaucoup de pays, notamment dans notre continent, qui connaissent des sécheresses récurrentes. Et donc, pour reprendre un jargon de spécialiste, les indicateurs sont au rouge. Et donc, la restauration des écosystèmes devient une nécessité vitale pour nous tous. Et nous devons faire la paix avec la nature. Bien entendu, la manière avec laquelle nous avons mené nos développements socio-économiques ne sont plus durables. Et tout le monde en est conscient, et nous devons donc bien entendu assurer cette transition écologique. Mais bon, c'est vite dit, transition écologique nécessite beaucoup d'efforts derrière, bien entendu. Et des changements profonds, à mon sens, dans nos modes de production et de consommation. Cela prendra bien sûr du temps. Nos amis du Programme des Nations Unies sur l'environnement connaissent parfaitement ces questions. Ils les ont étudiées depuis fort longtemps. Et cela prendra du temps, mais il faut commencer au plus vite. Parce que plus le temps passe, plus, disons, l'irréversibilité pourrait s'installer dans certains cas. Donc, je ne vais pas vous encombrer de chiffres, vous les connaissez tous. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'action et de l'action coordonnée. Parce que si elle n'est pas coordonnée au niveau mondial, nous n'aurons pas les effets escomptés. Alors, en ce qui concerne le royaume du Maroc, grâce à Dieu et à notre situation géographique, nous avons des écosystèmes divers et variés qui vont des zones humides au désert et aux oasis. C'est une grande richesse, mais elle est soumise à des pressions, bien entendu, comme partout dans le monde. Des pressions par des facteurs naturels pour lesquels notre responsabilité est très réduite, comme les changements climatiques, et comme c'est la position aussi de tout notre continent. Mais nous les subissons. Les changements climatiques sont là, nous les vivons pratiquement au quotidien. Et il y a aussi des facteurs anthropiques. Bien entendu, c'est la pression sur les ressources naturelles, sur l'usage non rationnel, et aussi la dégradation de la qualité de certains écosystèmes. Donc, tout ceci, nous le subissons également au Maroc, mais nous essayons d'y faire face avec tous les moyens dont nous disposons. Et nous avons mis pour cela en place donc l'ensemble des départements ministériels, l'ensemble des collectivités territoriales, parce qu'elles ont aussi des missions dans ce sens, la société civile aussi est mobilisée pour y faire face. Donc beaucoup de programmes, de plans, ils seront présentés tout à l'heure. Vous aurez, si vous avez le temps de suivre tout ça, vous aurez le loisir de les écouter et puis éventuellement de participer aux discussions.
Mais nous devons redoubler d'efforts, bien entendu, redoubler d'efforts et mobiliser l'ensemble de la communauté nationale. Nous sommes également en train de finaliser, on va dire que c'est fini, le quatrième rapport sur l'état de l'environnement du Maroc. Le précédent, nous l'avions fait avec le soutien du PNUE, qu'il en soit remercié. Et Madame Juliette Biau a joué un rôle dynamique à cet effet. Celui-ci, nous l'avons fait nous-mêmes, donc avec la participation de l'ensemble des parties prenantes dans le cadre d'un comité interministériel. Et il est prêt, nous allons le présenter très bientôt dans la foulée des festivités liées à la Journée mondiale de l'environnement. Alors, c'est un rapport qui a été bâti sur l'approche retenue par les instances spécialisées, l'approche pression état réponse. Et il montre déjà là où des efforts ont porté leurs fruits, et il y en a, mais aussi là, les domaines où il y a encore des efforts à faire et de nouveaux efforts aussi également pour s'occuper de questions émergentes. Ceci également, nous l'avons abordé dans le cadre de ce quatrième rapport sur l'état de l'environnement du Maroc. Nous sommes en train également de mener une évaluation d'ensemble de la biodiversité. Donc, nous sommes en train d'évaluer à la fois donc, les écosystèmes et les services qu'ils rendent à la communauté nationale, et aussi une évaluation de la faune et de la flore, et donc une actualisation des listes de toutes les espèces. C'est un travail important qui a commencé. Il a été un peu ralenti, il faut le dire, par la pandémie, mais nous sommes en train d'accélérer pour le finaliser d'ici la rentrée, inshallah. Cela nous permettra de partir avec des éléments actualisés à la COP15 de la biodiversité qui se tiendra en Chine. Nous allons prendre également en considération les outcomes de cette conférence, notamment le cadre mondial post-2020, pour définir une nouvelle stratégie de biodiversité à l'horizon 2030. Donc, nous disposons d'une stratégie qui s'est terminée en 2020, et sur la base de cette évaluation, sur la base de ce que des éléments, disons, des résultats qui sortiront de la COP15, nous bâtirons, inchallah, d'ici la fin de l'année, une nouvelle stratégie de biodiversité à l'horizon 2030. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, et je voudrais en conclusion vous réitérer mes remerciements à Madame López-Ecrá, à Madame Biau, de nous faire l'honneur et l'amitié d'être parmi nous à l'ouverture de ce webinaire, et aussi remercier l'ensemble des collègues et des amis ici présents, de la société civile, des départements ministériels, qui vont contribuer à la réussite de cet événement. Encore une fois, merci. Et je cède la parole à notre animateur, Ahmed Birouk, qui est un habitué de ces questions de biodiversité, puisqu'il a participé à l'ensemble des études. Il est connu par la Commission nationale de biodiversité comme étant un expert fortement versé dans ces questions. Si bien, je vous rends la parole. Et encore une fois, merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général, mesdames les représentantes du PNUD et du PNUE, mesdames et messieurs les directeurs, représentants des départements, éminents experts et expertes, chers participants, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à ce webinaire qui marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement pour l'année 2021. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je suis Ahmed Beyrouk, enseignant-chercheur travaillant sur la biodiversité, comme l'a dit Monsieur Benihia. Je serai le modérateur de ce webinaire. Je remercie d'ailleurs les organisateurs pour leur confiance. C'est toujours un plaisir de collaborer ensemble pour la réflexion et l'action en faveur de l'environnement, des questions environnementales.
Nous renouvelons nos remerciements au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, en particulier le département de l'Environnement, pour avoir organisé cet événement avec des intervenants de haut niveau. Comme l'a dit Monsieur le Secrétaire général, cette journée marque le lancement de la journée de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, et c'est aussi le thème retenu cette année et mis en avant pour cette journée symbolique. Les écosystèmes constituent la trame de la vie sur Terre, et le Maroc est connu pour la diversité de ses écosystèmes et des services qu'ils fournissent. Néanmoins, comme l'a bien souligné Monsieur le Secrétaire général, ces écosystèmes demeurent vulnérables à divers degrés et cela représente beaucoup de défis, mais également des opportunités. Si nous tenons bien compte des solutions que la nature nous apporte et peut encore nous offrir. Ces défis et opportunités vous seront présentés par notre panel d'intervenants, puis discutés lors de ce webinaire. Alors, bien que nous soyons limités par les conditions du virtuel, ce webinaire est une occasion importante d'information, d'échange et de concertation pour nous rappeler que nous sommes les premiers responsables de notre environnement et que nous avons la possibilité et le devoir d'agir pour protéger et reconstruire la nature pour le bien des générations futures. Nous devons être ainsi la génération restauration, comme le souligne le message lancé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement à l'occasion de cette journée. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame la représentante résidente du PNUD, Sylvia Lopez-Ecla. Madame, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Birouk. Merci beaucoup de modérer cette session. Monsieur le secrétaire général du département de l'environnement, Madame la directrice du bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour l'environnement, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants des différents ministères et départements, mes chers collègues des Nations Unies qui sont en ligne, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, du secteur privé, du monde académique, distingués participants en vos titres et qualités. C'est vraiment pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre part à cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Tout d'abord, au nom du système des Nations Unies pour le développement au Maroc, je souhaiterais adresser mes sincères remerciements à vous, Monsieur le Secrétaire général, et à travers vous, à tout le ministère et à votre département, d'avoir pris l'initiative de nous réunir autour d'un sujet aussi important. En effet, aujourd'hui, toutes les 3 secondes, le monde perd des forêts d'une surface équivalente à un terrain de football. Vous avez bien entendu, toutes les 3 secondes. L'heure est donc grave. Et c'est la raison pour laquelle cette année, comme on l'a entendu précédemment, la Journée mondiale de l'environnement s'est non seulement focalisée sur la restauration des écosystèmes avec pour thème réimaginer, recréer, restaurer, mais, comme l'a dit le secrétaire général, a aussi donné le coup d'envoi de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. C'est une promesse mondiale visant à faire revivre des milliards d'hectares de terre, une superficie supérieure à celle de la Chine ou des États-Unis au cours des 10 prochaines années. Et donc cette décennie, comme je disais, est une promesse. C'est celle d'arrêter l'exploitation de la nature et de travailler ensemble à sa guérison, de redonner une chance à des milliers de plantes et d'animaux au bord de l'extinction. Monsieur le secrétaire général disait que les indicateurs sont au rouge. Effectivement, encore une fois, l'heure est grave et c'est la raison pour laquelle, dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, ne mâche pas ses mots. En fait, il tire la sonnette d'alarme dans un message clair et sans complaisance que j'aimerais vous lire maintenant avec votre permission, M. le secrétaire général et Mme la directrice. Donc, je cite, « Nous atteignons rapidement un point de non-retour concernant la planète. Nos urgences sur le plan environnemental sont triples. Perte de la biodiversité, dérèglement climatique et pollution galopante. L'humanité a pendant trop longtemps abattu des forêts, pollué des fleuves et des océans et épuisé des pâturages. Nous ravageons les écosystèmes qui sont le fondement même de nos sociétés. Nous courons le risque de nous priver d'eau, de nourriture et de ressources essentielles pour notre survie. La dégradation du monde naturel compromet déjà le bien-être de 3,2 milliards de personnes, soit 40% de l'humanité. Si la Terre est fort heureusement résiliente, elle a besoin de notre aide. Nous avons encore le temps de remédier aux dégâts causés. Et c'est pourquoi
En cette journée mondiale de l'environnement, nous lançons la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Des gouvernements, des entreprises, la société civile et des particuliers uniront leurs forces dans une tentative mondiale inédite de soigner la Terre. En restaurant les écosystèmes, nous pouvons induire une transformation qui contribuera à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Mais la tâche est monumentale. Il nous faut replanter et protéger nos forêts. Il nous faut nettoyer les fleuves et les mers. Il nous faut verdir les villes. Ces gestes nous aideront à préserver les ressources de la planète, à créer des millions d'emplois d'ici à 2030, à dégager des revenus de plus de 7 000 milliards de dollars chaque année et à éliminer la pauvreté et la faim. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est un appel mondial à l'action. Elle ralliera un appui politique, des recherches scientifiques et une aide financière pour décupler les capacités de restauration. Chacun peut y contribuer. D'après la science, ces 10 prochaines années sont notre chance ultime d'empêcher une catastrophe climatique, d'endiguer le flux de pollution et de mettre fin à l'extinction des espèces. Inaugurons aujourd'hui une nouvelle décennie qui nous permettra enfin de faire la paix avec la nature et de garantir un avenir meilleur pour tous. Fin de citation. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, le Maroc, comme l'a si bien dit le secrétaire général il y a quelques instants, comme tous les autres pays du monde, sans exception, est confronté à plusieurs défis environnementaux et climatiques. L'érosion des sols, le stress hydrique ou la perte de biodiversité sont des menaces qui sont bien réelles. Mais face à ces défis, le Royaume qui a accueilli la COP22 à Marrakech en 2016 n'a eu cesse de multiplier les initiatives. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion, Monsieur le Secrétaire général, pour reconnaître et saluer les efforts inlassables déployés par le Royaume du Maroc sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la préservation des écosystèmes marocains, notamment les écosystèmes oasiens et de l'Argani. Monsieur le Secrétaire général, je ne pourrais pas manquer de saluer ici le plaidoyer remarquable du Maroc qui a abouti le 3 mars dernier à la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies du 10 mai de chaque année, Journée internationale de l'Argani. Les écosystèmes étaient au cœur de cette résolution. Et j'ai fait le déplacement à Agadir, c'était un plaisir pour moi le 10 mai dernier pour célébrer cette toute première journée qui a été suivie dans tout le Maroc, mais aussi depuis New York, depuis Genève, depuis Rome et Paris, parce que la prise de connaissance de la valeur de l'écosystème de l'Argani est une prise de conscience internationale. Plus récemment, le rapport de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement est venu ériger la préservation des ressources naturelles et des ressources en eau comme choix stratégique au sein de l'axe de transformation 4 sur les territoires et la durabilité, ce qui démontre encore une fois la grande importance que revêtent ces deux questions pour le Royaume. Et je dois dire, Monsieur le Secrétaire général, mesdames et messieurs, que le système des Nations unies, dans son ensemble, est fier d'avoir été aux côtés du Maroc au fil des ans, en mettant à la disposition de la vision du pays son savoir-faire technique, son expertise et des outils novateurs. Ainsi, la FAO a accompagné l'intégration des agroécosystèmes oasiens dans le patrimoine agricole mondial en renforçant le site d'Imichi-Lamelago, reconnu système ingénieux du patrimoine agricole mondial en 2011, en inscrivant l'espace Aït Mansour, Aït Souab dans la liste en 2018 et en préparant les dossiers pour la certification des sites d'Aka Tata et de Figi. Le projet OASIL, toujours de la FAO, et je sais qu'il sera présenté de façon très éloquente par mon collègue Abdelmajid dans quelques instants, s'attelle quant à lui à accompagner la revitalisation des agroécosystèmes oasiens à travers une approche durable et intégrée dans la région de Drata-Filet. J'étais d'ailleurs dans le Drata-Filet la semaine dernière, en compagnie de Madame Florence Roll, la représentante de la FAO et de ses équipes que je salue, et j'ai pu voir de mes propres yeux l'impact de cet effort intégré de tous les départements au niveau régional. Vous parliez de l'importance d'un effort intégré, Monsieur le Secrétaire général. Sur le terrain, nous avons pu voir l'environnement, l'agriculture, le tourisme, l'agence des bassins hydrauliques, l'ANSOA, qui travaillait vraiment main dans la main avec les communautés pour résoudre les problèmes liés à l'eau, autonomiser les femmes, développer l'écotourisme, sauvegarder l'abeille saharienne, pardon, parmi tant d'autres réalisations.
En matière de protection de la biodiversité, en partenariat avec l'INRA, 114 variétés locales dans 5 sites oasis ont été collectées et intégrées à la banque de gènes dans le Centre régional de la recherche agronomique à cette année. Le PNUD, quant à lui, en 2019, a soutenu la finalisation du 6e rapport national sur la biodiversité. J'aimerais en profiter pour vous féliciter, monsieur le secrétaire général, pour la finalisation du rapport sur l'état de l'environnement au Maroc. Le PNUD a également travaillé en accompagnement des efforts institutionnels sur l'élaboration de plusieurs stratégies nationales, notamment la stratégie nationale bas carbone et le plan climat 2030. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, il y a bien d'autres exemples de réalisation des Nations Unies en appui de nos partenaires institutionnels. La relation est solide, elle est riche. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je souhaiterais relever un point spécifique, si vous me permettez. C'est celui des personnes vulnérables. Les personnes qui vivent dans la pauvreté, les femmes, les populations rurales et d'autres groupes vulnérables sont les premières victimes des dégradations des écosystèmes. Et la pandémie de COVID-19 a aggravé les inégalités existantes. Il nous faut donc plus que jamais les mettre au cœur de notre action. Et je voudrais ici saluer le travail d'ONU Femmes qui travaille notamment à l'autonomisation économique des femmes rurales, qui travaille autour de la promotion des chaînes de valeur agroécologiques pour une meilleure résilience au changement climatique. Toujours lié à la pandémie de COVID-19, il est fondamental que les plans de relance intègrent des allocations significatives pour la restauration des écosystèmes pour assurer une relance verte, durable et équitable. Et actuellement, malheureusement, il y a seulement 18% des plans de relance dans le monde qui peuvent être qualifiés de verts. Cela a été donc une très grande source de satisfaction pour nous tous d'apprendre en fin de semaine dernière à travers le programme PAGE, le programme pour le partenariat pour l'action sur l'économie verte, que le Maroc a rejoint récemment d'ailleurs, en tant que 20e pays à entrer dans la famille PAGE, 5e pays d'Afrique et premier pays de la région MENA, que les efforts de relance verte du Maroc seront soutenus par les agences qui composent le programme PAGE. Donc on a UNEP, la directrice régionale est là, le BIT, le PNUD et l'ONU. Permettez-moi donc de conclure, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, en rappelant que les écosystèmes soutiennent toute la vie sur Terre, on l'a bien entendu, et donc il n'y a pas une minute à perdre. Alors que nous lançons cette décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, le système des Nations Unies renouvelle son engagement à se tenir aux côtés du Maroc. Nous sommes très excités à l'idée de travailler ensemble sur cette nouvelle stratégie de la biodiversité et ainsi de permettre la réalisation de tous les objectifs de développement durable pour toutes les Marocaines et tous les Marocains. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la représentante résidente du PNUD au Maroc, du système des Nations Unies. Sans tarder, nous passons la parole à Madame Juliette Biao, représentante de l'UNEP, de la région Afrique. L'UNEP, je pense que Madame Biao a un temps très limité. À vous la parole, Madame. Je vous remercie beaucoup, monsieur le facilitateur, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général du département environnement du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Mines, chers collègues représentants du PNUD au Maroc, mesdames et messieurs, il y a quelques jours seulement, nous sommes vraiment contraints malgré les défis énorme imposé par la situation actuelle pour élaborer la Journée mondiale de l'environnement, célébrer la Journée mondiale de l'environnement sous le thème réimaginer, recréer et restaurer. Célébrer chaque année le 5 juin, la Journée mondiale pour l'environnement est le plus grand événement des Nations Unies encourageant l'action environnementale et soulignant la nécessité de protéger la planète. Depuis sa première célébration en 1974, l'événement a pris l'ampleur pour devenir une plateforme mondiale de sensibilisation du public aux grandes préoccupations environnementales. Cette année, la Journée mondiale pour l'environnement était particulière car elle a coïncidé avec le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes pour la période de 2021 à 2030.
remarquer que c'est une échéance qui correspond aussi au résultat de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Depuis sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies, cette décennie a incité les gouvernements de la communauté internationale à relancer nos écosystèmes qui se trouvent en difficulté. Nos objectifs en matière de développement, de climat et de biodiversité ne pourront jamais être atteints sans des mesures ambitieuses en matière de restauration. Monsieur le secrétaire général, chers collègues du système des Nations unies, mesdames et messieurs, la décennie des Nations unies vise à inspirer et à soutenir les gouvernements, les agences des Nations unies, la société civile, les entreprises du secteur privé, les jeunes, le groupe des femmes, les peuples autochtones, les agriculteurs, les communautés locales et les individus du monde entier à collaborer et développer et catalyser des initiatives de restauration à travers le monde. La décennie a pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de personnes pour restaurer la nature et ainsi favoriser une culture mondiale dans laquelle les initiatives de restauration seront intensifiées à travers la planète. Samedi dernier, encore lors des célébrations de la Journée mondiale de l'environnement, nous avons assisté à un engagement sans précédent de toute la communauté internationale. Gouvernement, société civile, secteur privé et médias ont montré leur volonté et leur enthousiasme dans le but de soutenir des efforts de restauration de nos écosystèmes. Et je suis fière de vous annoncer que notre communauté africaine était au rendez-vous. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, dans son message à cette occasion, et je ne vais pas le répéter parce que ma collègue du PNUD l'a déjà dit, et donc pour gagner du temps, j'en passe. C'est juste au sujet du nombre de personnes qui sont affectées par la dégradation des écosystèmes et le pourcentage de l'humanité que cela représente. Donc, point n'est besoin de répéter. En restaurant nos écosystèmes, nous pouvons à la fois ralentir le changement climatique, récupérer notre biodiversité, créer des terres productives pour l'agriculture, créer des emplois et renforcer la résilience naturelle pour nous protéger contre les maladies zoonotiques et les pandémies. Pour atteindre les objectifs de cette décennie, nous devons ensemble nous focaliser sur 4 axes principaux. Mettre le flux financier en harmonie avec la nature, protéger ceux qui gèrent la terre, rendre nos villes vertes et restaurer nos océans. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, en Afrique, la biodiversité et les écosystèmes constituent la base de toute transformation économique et sociale. Leur restauration et préservation jouent par conséquent un rôle primordial pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Afrique et les objectifs du développement durable. Ainsi, nos pays africains sont invités à intégrer les objectifs de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes dans leurs plans nationaux de développement. Le soutien de nos communautés doit être au cœur de cette action. Elles ont le savoir-faire et la volonté pour mener un changement réel avec des résultats visibles et certains et un impact durable. Aucune nation ne peut réussir sans l'engagement de nos communautés et nos experts nationaux. Leur savoir-faire et engagement sont la clé de la réussite de cette décennie dans notre continent. Nous devons soutenir nos jeunes et les femmes pour mener cette bataille, car ils nous ont montré leur capacité à relever un tel défi. La science est bien claire. Les dix années à venir seront déterminantes pour éviter la catastrophe climatique. Il est donc temps d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre si nous voulons donner une dernière chance à notre planète. Je vous remercie. Merci, Madame Juliette Biao de l'UNEP.
Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu vous entendre, même si votre temps était très, très, très serré. Nous en sommes un peu désolés. Et, malheureusement, je devrais partir parce que j'ai un autre événement avec les jeunes de toute la région Afrique. Et vous les connaissez, ils sont impatients, donc je dois vraiment les rejoindre. Je suis désolée. Merci beaucoup. Nous continuons toujours notre engagement. Et merci à ma collègue. Madame Biao. Sylvia. Ouais, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Monsieur Blair, je voudrais d'abord présenter mes excuses auprès de Madame Sylvia Lopez-Eclin. Elle n'est pas représentante du PLUT, comme je l'ai dit, mais coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Maroc. J'en suis vraiment désolé et je corrige tout de suite. Alors, il est vrai que Madame Sylvia Lopez et Madame Juliette Bier ont vraiment précisé un peu l'engagement du système des Nations Unies pour la décennie de la restauration des écosystèmes. Et Madame Sylvia Lopez a montré que, d'abord, à travers le message de M. le secrétaire général, que nous sommes à un point de non-retour à la planète si nous ne faisons pas quelque chose, des actions que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et il faudrait vraiment restaurer les forêts, verdir les villes, nourrir les océans, et il y a beaucoup de choses et par la suite beaucoup de choses à faire pour lesquelles il faut s'engager. Et par la suite, Madame Eclin a rappelé toutes les actions qui sont menées au Maroc avec le système des Nations Unies, notamment au travers la COP, tout ce qui a été fait lors de la COP sur le changement climatique à Marrakech, et ensuite pour la suite par rapport aux travaux dans le cadre du projet Oasis, ce qui sera bien exposé par la suite, et beaucoup d'autres actions en matière de biodiversité. Et tout cela va nous donner nous donne à la fois les balises et le stimulus pour travailler par la suite. Et Madame Juliette Biao a continué dans le même esprit. Elle a montré l'engagement du PNUE à nous soutenir pour les actions de restauration qui doivent être beaucoup plus importantes pour l'avenir. Et selon les quatre axes qui sont de mettre d'abord les flux financiers en faveur de ces actions de restauration, de protéger la terre entre les villes vertes et nourrir les océans, et soutenir les jeunes et les femmes. Comme l'avait dit d'ailleurs Madame Sylvia Lopez, c'est un message très important. Les personnes vulnérables sont les premières victimes de la dégradation de l'environnement, des écosystèmes. Alors, je voudrais remercier à nouveau tous ces messages, les trois personnes, Monsieur le Secrétaire Général, Madame Sylvia Lopez-Eclin et Madame Juliette Biao, pour ces messages qui nous donnent un peu les orientations et nous encouragent, nos acteurs scientifiques, acteurs de la société civile, chercheurs, administrateurs, nous encouragent à travailler, à multiplier les efforts pour ces efforts de restauration, pour faciliter la restauration des écosystèmes. Nous passons à la phase suivante, qui est une phase de panel avec différents spécialistes, et le contenu de ce panel est guidé en fait par l'esprit de la journée, c'est-à-dire les spécialistes vont chacun sur un écosystème donné ou sur un cas précis nous exposer un peu ce qui est fait en matière d'écosystème ou les connaissances que nous avons, un peu quelles sont les propriétés, les défis que nous avons, les opportunités que nous pouvons saisir encore. Et sans tarder, nous allons, je voudrais rappeler aussi aux intervenants d'abord que le temps de parole est entre 10 à 15 minutes au maximum, mais en tant que modérateur, je pourrais rappeler
à une minute de la fin, le temps qui reste. Et bien sûr, les participants peuvent poser toutes les questions dans le chat ou au moment de la discussion, bien sûr, lever la main pour le chat. Et donc, en premier lieu, je vais donner la parole à M. Mustapha Medbouhi, qui est chef de la division de la biodiversité au département de l'environnement, qui est aussi point focal de la Convention sur la diversité biologique. Et il va présenter l'état des lieux des écosystèmes au Maroc. Et M. Medbouhi va faire cette présentation à la place de M. Razi, auquel nous souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement suite à l'intervention chirurgicale qui vient de subir. Monsieur Medbouhi, à vous la parole. Merci, Sibirouk. Je vais partager déjà mon écran sur ma présentation. Monsieur le secrétaire général, Madame la coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Madame la directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUE, Mesdames, Messieurs, comme l'a dit Monsieur Birouk, je remplace le directeur du changement climatique de la diversité biologique économie verte, Monsieur Razi, qui a été hospitalisé et qui est en période de convalescence. On lui souhaite un bon rétablissement. Je vais vous présenter l'état des lieux des connaissances au Maroc. Donc, ma présentation sera autour des points suivants. La richesse et les atouts des écosystèmes au Maroc. L'état de la biodiversité au Maroc et leurs menaces. Ensuite, je vais présenter les 5 grands écosystèmes au Maroc et leurs services rendus. Et enfin, un bref aperçu sur l'évaluation nationale de la biodiversité et les services écosystémiques qui sont en cours et les produits attendus. Les événements géologiques et climatiques qui s'y sont succédés ont façonné le Maroc en une mosaïque très hétérogène et complexe d'écosystèmes allant des hautes montagnes couvertes de forêts au désert en passant par les vastes plaines alluviales, les cours d'eau, les lacs, les milieux aquatiques, les zones marines et les régions steppiques. Ces écosystèmes sont source de connaissances encore inexplorées sur le monde vivant. C'est une source d'inspiration pour la production de nouvelles molécules thérapeutiques, rendent de grands services à l'agriculture, notamment pour la pollinisation des espèces végétales cultivées, principal puits de carbone pour les changements climatiques et source de récréation et de bien-être. Ces écosystèmes abritent une diversité biologique riche et remarquable, avec plus de 24 000 espèces animales et 7 000 espèces végétales, avec un taux d'endémisme global exceptionnel de 11 % pour la faune et plus de 20 % pour les plantes. Ce cortège floristique et faunistique est protégé par 10 parcs nationaux et 154 cibles en plus de 4 biosphères. Malheureusement, ces écosystèmes sont soumis à diverses pressions, aussi bien anthropiques que naturelles, ce qui a engendré une régression de 31 000 hectares de surface forestière au moins tout début de la décennie, et la perte de 50 % des zones humides et en 50 ans, mais aussi 60 espèces animales et 1 700 espèces de plantes sont menacées d'extinction. Le Maroc se distingue des autres pays de l'Afrique Nord par l'importance du domaine forestier. La superficie s'élève à 9 millions d'hectares, dont 5,3 millions de forêts naturelle. La surface du domaine forestier représente environ 13 % de la superficie totale du pays. Les écosystèmes forestiers situés en majeure partie dans les climats semi-arides, subhumides et humides et constitués de 60 % d'essences fluées, chênes verts, chênes lièges, arganiers et autres espèces, de 18 % d'essences résineuses comme le cèdre de l'Atlas, le thuya, le cyprès de l'Atlas,
le sapin du Maroc et de 9% de plantations artificielles. Parmi les écosystèmes les plus emblématiques du Maroc, il y a lieu de citer l'Arganier, un des écosystèmes singuliers et patrimoniaux, le cèdre de l'Atlas, qui est endémique de l'Afrique du Nord et occupe au Maroc près de 34 000 hectares, soit 2,8% des forêts qui se situent dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas et le Rif. Le Touya du Berbéré, une essence endémique du bassin méditerranéen occidental et plus particulièrement au Maroc, qui s'étend sur une superficie de l'ordre de 560 000 hectares. Le cyprès de l'Atlas, qui est l'un des écosystèmes naturels les plus originaux du Maroc et s'étend sur un territoire restreint, ne dépasse guère les 9 000 hectares. Ces écosystèmes forestiers marocains sont soumis à des conditions climatiques méditerranéennes, généralement peu propices à la production ligneuse intensive. La fonction de production de bois et de valeur de consommation directe se trouve largement surpassée par des fonctions de protection et de valeur utilisable indirecte. Les écosystèmes forestiers assurent la conservation de 4000 plantes vasculaires, 550 espèces de vertébrés et un millier d'invertébrés. Elle assure aussi la conservation des eaux et protège les barrages. La conservation des productivités terres, elle assure aussi la lutte contre la désertification, la séquestration du carbone en absorbant 23 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 3,8 milliards de dirhams. Elle offre des parcours en moyenne l'équivalent de 15 000 de cantons d'orge par an. Ce qui concerne les écosystèmes désertiques croisiennes, ils sont composés d'écosystèmes typiques et pré-stipiques, des écosystèmes désertiques et des écosystèmes oisiens. Les écosystèmes typiques et pré-stipiques sont des écosystèmes distingués, particulièrement par des conditions climatiques arides sévères, s'étendant sur une superficie de 8 millions d'hectares, alors que les écosystèmes désertiques sont principalement sahariens, s'étendent sur une superficie de 33 millions d'hectares. Les écosystèmes oisiens sont caractérisés par un climat accentué qui s'étend sur 30% de la superficie nationale. Malgré que le développement de la végétation soit limité dans les écosystèmes désertiques à cause des faibles précipitations, on dénombre 730 formes végétales différentes, dont 60 endémiques. La faune est également bien développée et elle est représentée par un grand nombre d'invertébrés, plus de 651 espèces. Les écosystèmes des Arctiques et oisiennes sont constitués d'habitats favorables pour une biodiversité riche en espèces végétales sauvages, utilisées dans la médecine traditionnelle et l'usage cosmétique et culinaire, avec une valeur de 5,3 millions de dirhams annuels à l'échelle nationale, et contribue à la production nationale des dattes qui s'élève à plus de 100 000 tonnes. Au niveau des palmeries, environ 81% de la biomasse ligneuse est collectée, 80% provient des zones de parcours et 1% utilisé dans les forêts environnantes. Les écosystèmes assurent d'autres fonctions, notamment la régulation du microclimat, constituent des barrières aux influences du désert et sont considérés comme un véritable havre de paix pour de nombreux touristes. Les écosystèmes aquatiques d'eau douce et zones humides continentales sont constitués par des habitats divers. Ces habitats sont représentés au Maroc et couverts une superficie de 400 000 hectares, soit 0,6% de la surface du territoire. Parmi ces habitats, 38 cibles sont des zones humides continentales, couvrent une superficie de 202 000 hectares et un système fluvial le plus étendu en Afrique du Nord. Selon l'inventaire national des zones humides, plus de 300 sites
délimitées, dont 170 sont des lacs de barrage. Les zones humides abritent 670 taxons hydrophytes, ce qui représente 15,9% de la diversité de la flore vasculaire du Maroc, avec 109 plantes endémiques au sens large, dont 54 taxons sont endémiques stricts au Maroc. La capacité des écosystèmes aquatiques à fournir des services écosystémiques qui satisferont le bien-être humain dépend de leur bon fonctionnement. Les études scientifiques sur les services écosystémiques des eaux continentales au Maroc sont très rares, limitées à quelques rapports et articles scientifiques. Dans ce tableau, ils sont listés les services rendus par les écosystèmes aquatiques continentaux avec des degrés de contribution. Par exemple, les rivières contribuent fortement dans l'approvisionnement en eau, la régulation hydrologique, la régulation de la qualité de l'eau et d'autres valeurs. Je ne vais pas en citer tous les services rendus par ces habitants, cet écosystème. Concernant les écosystèmes de montagne, le Maroc est un pays de véritable montagne qui occupe environ 26% du territoire national et abrite plus de 30% de sa population nationale. Le Maroc dispose de 4 chaînes de montagnes, le Rif, le Moyen Atlas, l'Euro Atlas et l'Anti-Atlas. Les zones de montagne sont couvertes de formations forestières qui s'étendent sur 3,6 millions d'hectares, soit 62% des forêts naturelles. Ces formations sont protégées dans la moitié des cibles identifiées au Maroc, qui sont au nombre de 154 cibles. Les services rendus par ce écosystème sont surtout des services d'approvisionnement et l'évaluation économique sont les plus abordés. Les autres services de régulation culturelle le sont moins. Les forêts des montagnes contribuent à plus de 70% de production nationale en bois d'œuvre et de bois de feu et 50% de liège. La montagne constitue un château d'eau et fournit 60% des ressources hydriques. Cependant, la contribution directe au développement économique du pays reste limitée, ne dépasse pas les 5% du PIB et 60% de la consommation nationale. Par contre, le tourisme de montagne représente un secteur prometteur et les écosystèmes forestiers qui découvrent offrent plus grand potentiel de séquestration de carbone avec 4 tonnes de carbone par hectare et par an. Les écosystèmes marins et littoraux présentent une grande variété d'écosystèmes marins, composés de très larges plages, des lagunes, littorales, marées maritimes, estuaires, plateaux, les coraux, les talus continentaux et les éléments de sous-marins, etc. Elle comporte plus de 7820 espèces de faune et de flore et recèle une grande richesse en espèces d'algues d'intérêt économique et écologique. Toutefois, cet espace marine ne compte qu'un aire marine protégée, c'est le parc national de Hosima, et 3 aires protégées pour la gestion des ressources halieutiques. Mais le potentiel halieutique est très important et diversifié. Les fonctions écologiques des écosystèmes marins contribuent au PIB entre 2 et 3% en moyenne durant les 10 dernières années. Ils fournissent une production halieutique nationale, toutes espèces confondues, à totaliser un volume de 1 372 millions de tonnes. Sur les zones côtières, environ 6 000 unités industrielles installées, soit 68% de l'ensemble des unités à l'échelle nationale. Du côté du tourisme, les plages reçoivent une fréquentation moyenne quotidienne de 1500 estivants par jour et par plage. Par ailleurs, il assure aussi la régulation du climat, la prévention d'événements naturels exceptionnels et l'érosion marine des côtes. Donc, dans le but
déterminer les atouts et les opportunités présentées par les écosystèmes marocains, ainsi que les menaces auxquelles ils sont exposés, le département de l'environnement a lancé l'élaboration de l'évaluation nationale de la biodiversité et des services écosystémiques du Maroc au début de l'année 2020 et qui a pour objectif aussi de renforcer le lien entre la science et la politique sur la diversité biologique, les fonctions des écosystèmes et les services écosystémiques. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité. Elle constitue aussi une réponse aux engagements internationaux du Maroc vis-à-vis la CDB, les objectifs d'Aichi et les objectifs du développement durable. L'élaboration de cette évaluation va permettre également de renforcer les fondements de la connaissance disponible par rapport à la biodiversité et donner une analyse critique de l'information disponible, destinée à éclairer la prise des décisions et de s'ouvrir sur l'actualisation de lutte nationale de la biodiversité et l'actualisation de la stratégie et son plan action national sur la biodiversité. L'évaluation nationale de la biodiversité et des services écosystémiques est organisée selon une entrée écosystémique permettant à la fois de caractériser et d'évaluer les grands écosystèmes marocains. Pour chaque unité fonctionnelle associée au grand écosystème, l'étude va permettre de définir et à caractériser l'écosystème, de présenter l'état de conservation des principaux groupes d'espèces faunistiques et floristiques associés, d'identifier les atouts, faiblesses, opportunités et menaces liées aux informations relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques dans le contexte de changement climatique. Et merci pour votre attention. Merci à M. Mostafa Medouahi pour cette présentation très importante qui nous a donné une vue de la grande richesse du Maroc en matière d'écosystème et les atouts qu'il représente pour le royaume et également les différentes menaces sur ces écosystèmes qui restent fragiles, notamment les menaces de disparition de nombreuses espèces d'animaux et de plantes et les surfaces importantes forestières perdues chaque année à cause de la dégradation du changement climatique et du surpâturage. M. Medbouhi nous a expliqué la situation de différents écosystèmes. D'abord, les écosystèmes forestiers, en passant aussi par les écosystèmes aquatiques d'eau douce qui sont importants et chacun avec les services écosystémiques qui sont fournis, les écosystèmes marins et littoraux. Et il a conclu par une étude qui est capitale pour nous, c'est l'étude nationale sur les biodiversités et services écosystémiques. Elle est d'une grande importance pour la définition, l'actualisation des données et la caractérisation de nos écosystèmes de manière très détaillée. Merci à M. Medbouhi et je rappelle à l'assistance que vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat par écrit. Comme ça, nous allons procéder par la suite à la discussion en nous inspirant de vos questions. Alors, nous allons passer la parole maintenant à M. Khalid Sharqi, chef de la division des études de la programmation et de la coopération du département des eaux et forêts, qui va nous parler de la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Monsieur Khalid Sharqi. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Donc, à vous la parole. Merci infiniment, professeur Birouk et monsieur le secrétaire général du département de l'environnement, madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Maroc, chers collègues représentants du département ministériel, honorables panélistes et chers participants. Donc, au prime abord et au nom du département des eaux et forêts, je tiens à remercier chaleureusement le département de l'environnement pour cette initiative et aussi de nous avoir invités à prendre part à cet événement
d'importance capitale qui se tient pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Il y a ce événement-là qui coïncide avec un moment charnier, aussi bien sur le plan national qu'international, qui est marqué par l'adoption du nouveau modèle de développement pour le Maroc et également par le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Également, je suis très honoré donc de vous présenter la stratégie forêt du Maroc. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez l'écran ? Oui. Oui. Très bien. Donc, comme je l'avais dit, donc je suis très honoré de vous présenter la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Donc, le lancement officiel a été donné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI Kudulaciste le 13 février 2020 pour développer et renforcer le développement du secteur forestier au Maroc. Donc, la conception de cette stratégie s'est appuyée sur un diagnostic assez poussé qui a concerné donc l'ensemble des fonctions remplies par les écosystèmes forestiers marocains, lequel diagnostic avait débouché sur plusieurs conclusions. La principale conclusion, c'est que la forêt marocaine, il assure sept fonctions principales, valorisées à 17 milliards de dirhams par an, mais ces forêts-là donc, font face à une situation dégradée par la surexploitation et l'absence de valorisation. Toujours par rapport au diagnostic, donc les autres constats qui ont été soulevés, tout d'abord, sur le plan environnemental, le taux de dégradation du couvert forestier a été évalué à 17 000 hectares par an et que le taux de réussite des travaux de reboisement frôle à peine les 50 %. Également, la biodiversité donc, est menacée, sachant que le Maroc recèle un gisement important en termes de biodiversité. Nous venons de voir la présentation qui a été faite par mon collègue Simid Bouhi, avec un taux d'endémisme assez élevé. Également sur le plan économique, donc le constat a dévoilé certains donc faits marquants, c'est que uniquement 20 à 30% du rendement potentiel des forêts productives est atteint et valorisé, tandis qu'il y a un potentiel important à valoriser et qui permettra bien évidemment d'avoir des retombées socio-économiques diverses, aussi bien pour l'État, pour les populations et pour le secteur privé. Aussi, un autre constat révélateur, c'est que le Maroc, quoi qu'il constitue la troisième réserve à l'échelle mondiale en termes de liège, les exportations en valeur ne représentent qu'un pour cent. Également, donc, l'inexistence d'une offre écotouristique, sachant que les potentialités sont là en termes de beauté de paysage, de qui résister à voir, en termes également de l'intérêt porté par le Maroc à l'activité touristique et écotouristique. Sur le plan social, le diagnostic a fait état également de deux faits majeurs, c'est que les prélèvements qui sont faits au niveau de la forêt, que ce soit pour le bois de feu ou pour les ressources forragères, les prélèvements dépassent largement les potentialités de renouvellement et la capacité de production. Donc, à la longue, on peut aboutir à une situation de dépassement de la ligne rouge. Donc, face à cette situation, la stratégie forêt du Maroc, qui vise donc à asseoir un modèle de gestion inclusif, durable et créateur de la richesse, et qui réconcilie également les Marocains avec la forêt. Elle se fonde sur cinq orientations majeures. La première, c'est qu'il s'agit d'un modèle de gestion participatif qui vise à engager les usagers dans une gestion partagée pour atteindre les objectifs productifs, également pour mobiliser le potentiel productif grâce aux partenariats privés, sans pour autant taper sur le capital, un modèle durable dont l'objectif est de faire respecter la ligne rouge et ne valoriser que les capacités de renouvellement et les capacités de reproduction des forêts marocaines. Un modèle aussi qui est basé donc sur un territoire de développement, dont l'objectif de changer le regard sur la forêt habitée par l'usager pour intégrer la problématique sociale dans le modèle. Un modèle également de gestion biodivers qui vise à sauvegarder le patrimoine naturel à travers donc une gestion rationnelle et des espaces emblématiques.
Alors là, donc partant de ce diagnostic, la stratégie donc a affiché certaines ambitions et a identifié aussi de nombreux leviers permettant d'atteindre les ambitions. Par rapport à l'ambition, tout d'abord sur le plan environnemental, l'ambition affichée c'est de rattraper la dégradation qui a été enregistrée durant les 30 dernières années et aller au-delà pour étendre le couvert forestier sur 133 000 hectares de couvert supplémentaire. Par rapport au volet donc économique et social, c'est de multiplier l'emploi, les opportunités d'emploi fournies par le secteur, notamment les emplois directs. Donc le chiffre à convenir, c'est presque 26 000 emplois directs par an, 5 000 au niveau de la forêt participative, 6 000 dans la filière productive et 12 000 dans la filière écotouristique. Toujours sur le plan économique, c'est de multiplier la valeur marchande de plus de 2, donc qui va passer de 2 à 5 milliards de dirhams sur une croissance de la valeur annuelle générée par les filières productives et écotouristiques. Donc là, les leviers qui sont identifiés et qu'on est en train d'actionner, donc le lendemain de lancement de la stratégie, donc il y avait la mise en place d'un dispositif basé sur plusieurs chantiers, 23 chantiers, pour pouvoir amorcer les chantiers et les programmes relatifs à cette stratégie. Donc les leviers dont je vous ai parlé, tout d'abord, c'est de multiplier le programme de restauration et de plantation, donc en passant de 50 000 hectares à 100 000 hectares par an à l'horizon 2030, avec une ambition affichée d'atteindre un taux de réussite des projets de reboisement de 80%. Le deuxième levier, c'est aussi donc de rehausser l'incitation de mise en défense. Donc là, il y a lieu d'expliquer donc ce mécanisme. C'est le mécanisme de compensation de mise en défense. C'est une forme d'incitation qui est donnée par le département des eaux et forêts aux associations sylvopastorales parce qu'il s'agit donc d'un rachat temporaire d'un droit d'usage qui est reconnu par la législation. Donc, le législateur avait reconnu, donc, depuis l'adoption du DAHER de 1917, le droit d'usage aux populations usagères. Mais lorsqu'on est en train d'entreprendre des programmes de reboisement et de régénération, donc, on défend la parcelle concernée et par conséquent, la population se trouve privée d'un droit qui est reconnu par la législation. Et de cela, donc, le département des eaux et forêts, donc, à partir des années 2000, a initié ce mécanisme pour compenser les populations usagères. Cette compensation va être augmentée, elle va passer de 250 dirhams par hectare et par an à 1000 dirhams par hectare et par an, sachant que pour l'Arganie, on est actuellement à 300 dirhams par hectare et par an. Également, l'animation, la création d'un nouveau corps d'animateurs avec la mobilisation de 500 animateurs au niveau local qui vont jouer le rôle de médiateurs avec la population locale et également les accompagner et lors des réunions qui vont être tenues donc dans le cadre des ODF. La création de 200 organismes de développement forestier, c'est une instance qui va être créée au niveau local dans l'objectif de servir en tant que réceptacle fédérateur et forum de discussion pour évoluer d'une gestion dans l'adversité à une gestion partenariale de l'espace forestier. Alors, pour vraiment réaliser ces ambitions et actionner ces leviers, donc la stratégie Forêt du Maroc 2020-2030, il est structuré autour de 4 axes principaux. Le premier axe, c'est donc réinventer et structurer l'approche participative. Donc là, il y a lieu de souligner que la stratégie donc met de l'élément humain, donc le centre de ses préoccupations, dans l'objectif d'asseoir un modèle participatif et faire participer les populations locales dans la gestion forestière. Donc, il crée un nouveau modèle participatif. Et là, l'ambition étant mettre en place un soubassement juridique. Donc, l'approche participative, il va être institutionnalisé avec la création juridique des instances donc participatives avec une reconnaissance juridique. Je n'avais déjà parlé, donc la création d'un nouveau corps d'animateurs qui vont jouer le rôle de médiateur et l'animation sociale, la contractualisation de la protection participative sur les espaces reboisés, l'adaptation de la gestion participative aux vocations et la promotion des amélioration de chasse auprès des associations et sociétés suivant donc le cahier de charge.
Le deuxième axe, c'est de différencier et développer les espaces selon leur vocation. Donc, trois vocations ont été identifiées. Donc, il y a la forêt productive sur 120 000 hectares, la forêt participative et la forêt patrimoniale. Donc là, on parle principalement des parcs nationaux qui vont faire l'objet d'une gestion spécifique pour maximiser les bénéfices socio-économiques et renforcer, donc et améliorer l'efficacité des programmes et projets de protection de l'environnement, notamment la biodiversité. Le troisième axe, c'est d'investir et moderniser le cœur des métiers, donc à travers l'externalisation du domaine des pépinières vers le privé moderne, en maintenant une souveraineté verte, la digitalisation du cœur du métier et la modernisation de l'approche technique sylvicole, et également la mobilisation du personnel forestier par la mise à niveau des conditions de travail. Le dernier axe, c'est de refonder l'institution. Donc, le département des eaux et forêts va être structuré en agence. Le processus est enclenché et la loi portant création de l'agence, donc, il est dans le circuit d'approbation, en tenant compte du rôle régalien de l'État. Là également, avec la création d'une société d'État qui va s'occuper des parcs nationaux. Donc, bien évidemment, toutes ces ambitions-là, ces objectifs devraient avoir une assise juridique. Et c'est pour cela le cadre légal régissant le secteur forestier va être adapté et mis à niveau. Donc, notamment tout l'arsenal, les cinq d'arrêt, aussi bien celui de 1917 sur donc, la conservation et l'exploitation de forêts, 1976 sur l'économie forestière, 1925 sur l'arganier et également les autres sur l'alpha. La transformation des ressources humaines, c'est les réformes qui sont enclenchées nécessitent un accompagnement, nécessitent une transformation des ressources humaines pour à travers la distinction des métiers et pour accompagner la transition et finalement donc la création d'un pôle formation recherche, donc tout en rapprochant les institutions, les établissements actifs dans la formation et la recherche, à savoir le Centre de la recherche forestière, l'École nationale forestière d'ingénieurs et l'Institut royal spécialisé des techniciens spécialisés en eau et forêt. Donc là, je vais commencer à détailler les axes de la stratégie. Donc le premier axe qui a trait donc à la réinvention de l'approche participative, donc vise à faire de la population le premier partenaire forestier. Donc c'est d'opter pour un modèle de gestion participative mais valorisant. Donc là, il est structuré autour de quatre programmes prioritaires. Donc c'est l'organisation des usagers de façon inclusive en partant du tissu traditionnel. Également donc la mise en place des organismes de développement forestier. Ce sont des instances qui vont être créées avec une base juridique, avec des missions et un mandat et des procédures de travail dans l'objectif de servir, comme je l'avais dit, donc d'un forum de discussion, un réceptacle fédérateur pour vraiment fédérer tous les acteurs pour le bénéfice de la protection et la valorisation des ressources forestières. La création d'un nouveau corps d'animateurs, donc l'animation sociale, le diagnostic a révélé donc qu'il a fallu donc s'attaquer au point d'étranglement. On doit y évoluer d'une gestion dans la diversité à une gestion partenariat de l'espace commun partagé. Donc, ces canaux de communication devraient être améliorés et également l'animation sociale devrait prendre le dessus. Également, nous sommes en train d'asseoir donc, des modèles, des programmes de reboisement participatif en associant la population et notamment dans le choix des essences, également en tenant compte des contraintes socio-économiques. Pour donc, en termes de programmation des superficies à reboiser, le dernier programme, c'est de rendre participatives les forêts productives et patrimoniales. Pardon. Les diapositives. Voilà. Toujours par rapport au premier axe, là, je vais présenter donc l'arborescence et l'architecture de la nouvelle organisation. Donc, et on va partir du terrain. Donc, mieux agir parmi les moteurs de la stratégie, c'est mieux impliquer la population usagère, mieux agir au niveau local. Donc, pour s'attaquer, comme je l'avais dit, au point d'étranglement et qui continue de planer sur la politique forestière. Donc, les usagers vont être au cours de la stratégie. Donc, à travers le regroupement des usagers, donc, on avait dit, il y a déjà une assise. Il y a les associations pastorales, les coopératives. Il y a également, en se basant sur les unités socio-territoriales et à travers, donc, les activités des animateurs territoriaux et l'animation sociale, nous allons organiser créer des organismes de développement forestier. Donc, c'est une structure inclusive. Tout usager peut adhérer et unique sur un territoire.
donc un ODF par commune forestière. Et ce sont de nouvelles créations. Il y aura aussi le conseil communal forestier, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle instance statuant sur les questions forestières qui réunit tous les acteurs locaux. Le conseil provincial des forêts, il existait déjà, mais il va retrouver ses missions et on va le renforcer grâce, bien évidemment, au raffermissement de la gouvernance à l'échelon local. La création d'une nouvelle instance, c'est le conseil régional des forêts, donc en phase avec la régionalisation avancée. Et c'est un espace de dialogue sur la forêt. Et également, donc, le Conseil national des forêts, donc, il existait, mais il va jouer pleinement son rôle en tant qu'organe d'orientation de la politique forestière au niveau national, et ce grâce au fonctionnement des instances intermédiaires. Le deuxième axe, ayant trait à la différenciation donc, de la gestion des espaces forestiers donc, selon leur vocation, donc, il y a la forêt productive sur son 20 000 hectares, donc, à travers des concessions aux acteurs privés donc, pour pouvoir donc, améliorer la productivité. Et là, donc, tout le monde va en sortir gagnant. Donc, également, l'organisation de transfert des compétences du partenariat public-privé. Et la deuxième vocation, c'est la forêt patrimoniale, notamment les parcs nationaux, c'est la conservation de la biodiversité, donc construire et renforcer le système national de suivi de la biodiversité, la mise en place des plans de sauvegarde nationaux sur les espèces menacées, assurer également la formation continue au métier de la conservation de la nature et poursuivre la lutte contre la désertification. Également, donc, investir pour amorcer la filière écotouristique, donc la valorisation écotouristique des parcs nationaux en amorçant la filière écotouristique et développer l'offre cœur du parc pour chaque zone de parc. Donc, toujours concernant la gestion des espaces selon leur vocation, et la vocation productive, c'est donc redynamiser une partie donc, des superficies identifiées déjà plantées en essence artificielle afin de développer le potentiel productif. Donc, la forêt patrimoniale, c'est donc d'aménager et valoriser les parcs nationaux en vue d'assurer un développement économique et social en plein respect du patrimoine naturel, culturel et territorial. Maintenant, donc, toujours par rapport à la forêt productive et ce partenariat, donc, ces concessions qui sont destinées aux acteurs privés, donc, triple win, c'est un modèle triple win, donc, du côté de l'acteur privé, donc, à travers des concessions d'une durée de 40 à 5 ans, à 50 ans, donc, pour pouvoir investir dans le secteur forestier. Et ça permettra également de restaurer les terrains dégradés et de dégager des bénéfices aussi bien pour l'État à travers les taxes, également de contribuer à l'économie nationale. C'est la création de la valeur, la création de la richesse, la création de l'emploi. Donc, c'est un modèle aussi qui est bénéfique sur le plan social. Donc, les populations usagères vont être parfaitement intégrées au niveau de ce modèle triple win. La forêt patrimoniale, un peu plus du détail par rapport donc, au réseau des parcs nationaux. Donc, il y a la distinction de deux zones, la zone cœur-parc et la zone d'adhésion. La zone camp-parc, c'est une zone vraiment hotspot de la biodiversité et qui les infrastructures du parc vont être positionnées à l'entrée de la zone cœur. N'oublions pas que l'objectif principal, c'est de conserver la biodiversité et également de valoriser ces espaces-là à travers plusieurs activités, notamment l'écotourisme. Et l'écotourisme doit être un moteur pour la conservation et non pas le contraire. Donc, c'est pour cela, déjà, nous avions identifié le parc national des Frênes comme parc pilote. On a déjà commencé à travailler là-dessus. Donc, plusieurs leviers ont été actionnés, plusieurs instruments. Il y a même des projets qui sont en cours de formulation. Et la signature d'une convention avec la Société marocaine de l'ingénierie touristique, donc pour créer, l'objectif étant de créer une dynamique à travers donc, tous les acteurs locaux, c'est de transcender toute la filière. Les potentialités sont là, mais il faut donc toute la filière qu'elle soit en phase, donc les restaurateurs, les hébergeurs, les transporteurs, les acteurs touristiques, l'animation et tout doit être vraiment sur la même longueur d'onde, dans l'objectif bien évidemment de conserver la biodiversité, mais également de dégager des bénéfices socio-économiques dans la limite du possible. Le troisième axe, c'est investir et moderniser le cœur du métier. L'objectif, c'est donc à travers la digitalisation et la performance seront mises au centre des outils pour réussir donc et piloter les activités donc sur l'horizon de 2030.
Les programmes prioritaires, c'est de professionnaliser le domaine semences et pépinières. Donc là, comme vous le savez, donc, les programmes de reboisement, de reforestation, de restauration, c'est une filière. Donc on commence par la semence. Là, il y a un programme maintenant pour moderniser la gestion des peuplements semenciers, pour sécuriser donc, la provision en graines et en semences. Également le stockage, le conditionnement et puis l'itinéraire technique par rapport à la production de plants. Donc, si le reboisement, c'est la forêt de demain, c'est pour cela tous les maillons devraient être traités de la façon la plus adéquate possible pour améliorer le taux de réussite. Là, l'amélioration de l'itinéraire technique de production de plants. Également, donc, la création d'une pépinière publique complètement modernisé et également donc le privé donc va être également impliqué dans cet aspect-là. Par rapport à la digitalisation, c'est la digitalisation du cœur du métier. Donc plusieurs projets ont été déjà amorcés. Donc la digitalisation des plans d'aménagement et gestion des forêts, comme vous le savez, donc les espaces forestiers, donc un pourcentage important ici au Maroc sont aménagés, ça veut dire sont dotés d'un outil de gestion qui a été conçu selon un processus inclusif, participatif, technique, qui prend en considération les contraintes, les potentialités, également les outils socio-économiques pour pouvoir organiser dans le temps et dans l'espace les activités d'exploitation, de régénération et de conduite sylvicole. Ces plans d'aménagement seront digitalisés. Donc, il y aura un système donc, qui permettra de prendre en charge l'ensemble des plans de gestion qui sont conçus, qui sont en cours de mise en œuvre par le département. Il y a également la partie économie forestière et exploitation, et également donc, les aspects ayant trait au reboisement avec l'utilisation de drones pour la surveillance des forêts et la lutte contre les incendies, et également pour le suivi des paramètres de reboisement. Un autre aspect, c'est la modernisation de l'approche technique, donc à travers l'installation des parcelles témoins dans les paramètres de reboisement et la capitalisation sur les données techniques pour améliorer et ajuster donc les itinéraires de conduite sylvicole. Et le dernier programme, c'est l'amélioration des conditions de travail, chose qui est importante. Donc le personnel, c'est le fer de lance de toute stratégie. C'est pour cela un accent particulier a été donc mis pour l'amélioration des conditions de travail pour doter le personnel des moyens nécessaires à sa forte mobilisation sur le terrain, les infrastructures, renouvellement des maisons ferroviaires, les équipements, les moyens de locomotion et aux équipes de terrain et les moyens de communication modernes. Alors là, juste une illustration par rapport à la modernisation du modèle pépinière. Donc, toujours la souveraineté verte sera donc réservée et conservée donc, pour l'administration, la future agence. Excusez-moi, il vous reste deux minutes. Je suis désolé, c'est bien. Vraiment très intéressant, mais vous pouvez gérer le temps. Je suis presque à la fin. Je passe maintenant au dernier axe, qui est la refonte d'institution et du cadre légal pour atteindre les ambitions affichées et réaliser les objectifs convenus. Donc, il y avait donc des réformes qui devraient être induites et amorcées, notamment la refonte institutionnelle à travers la création d'une agence des eaux et forêts pour en charge de la gestion régalienne du domaine forestier privé de l'État et la création d'une société d'État qui va relever de l'agence qui va prendre en charge la gestion des parcs nationaux, la refonte des textes, l'adaptation du cadre légal. Donc, plusieurs chantiers sont ouverts. Le cadre, bien évidemment, pour créer l'agence, il y avait donc l'élaboration de la loi et maintenant l'élaboration de la loi normative, donc qui va intégrer et compiler donc l'ensemble de l'arsenal juridique traitant le secteur forestier, bien évidemment, avec des amendements profonds pour s'adapter au contexte actuel. Donc, les amendements, parmi les amendements qui vont être opérés, c'est tout d'abord c'est la création juridique des instances de gouvernance, des organismes de développement forestier, le conseil régional, le conseil communal forestier, et également donc des dispositions légales pour l'approche parcs nationaux, l'organisation des professionnels, l'organisation de l'interprofession, qui est un acteur important pour la suite de la stratégie. Donc, l'interprofession vont être bien intégrés dans cette stratégie-là, imposer également légalement les plans d'aménagement. Donc, les plans d'aménagement vont devenir opposables et aussi la compensation pour mise en défense parce qu'il est prévu une revalorisation de l'incitation annuelle. La transformation du RH, des ressources humaines, distinguer le personnel forestier par métier, ceux qui font la police forestière, la surveillance, les agents de développement, l'aspect technique et l'animation sociale. La transformation des ressources humaines vers la nouvelle organisation institutionnelle,
accompagner la transition institutionnelle par une conduite de changement, chose qui est nécessaire, et le pôle, la création du pôle formation et recherche avec un rapprochement et la création des synergies et la mutualisation du moyen entre les institutions fortement impliquées dans la recherche et la formation forestière. Donc, dans l'objectif de faire monter donc, en compétence les effectifs sur de nouveaux contenus pédagogiques et de nouveaux outils. Donc voilà, donc le schéma là, donc l'Agence nationale des eaux et forêts, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, développement rural des eaux et forêts, et la société d'État qui va être donc sous la tutelle de l'agence et qui va être chargée de la gestion des parcs nationaux. Donc voilà, j'arrive à la fin et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que j'étais donc j'ai respecté donc le temps qui m'est accordé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Khalid Chantré. C'était vraiment très intéressant, une présentation très riche. C'est vraiment un défi de présenter tous les éléments dans un temps limité comme il est imposé. Mais c'était vraiment très intéressant avec la présentation de la stratégie avec les 5 orientations. La forêt étant un territoire de développement durable, participatif, productif et biodivers. Et puis les 4 axes que vous avez bien développés en détail. La question de l'agence, je vois déjà dans le chat, vous pouvez l'examiner, il y a déjà des questions par rapport à l'agence, à la gouvernance. Et nous allons y revenir, M. Chartier. Merci beaucoup. Nous allons passer à changer d'écosystème maintenant et nous allons passer à l'aménagement et la restauration des écosystèmes marins au Maroc, présenté par Madame Fatima Zahra Hassouni, chef de la division de la durabilité et de l'aménagement des ressources au département de la pêche maritime. Madame Hassouni, à vous la parole. Merci, Monsieur Biroc. Monsieur le secrétaire général du département de l'environnement, mesdames les représentantes du PNUD et de PNUE au Maroc, et mesdames, messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Journée importante qui appelle à une action urgente mondiale pour relancer nos écosystèmes endommagés. On est tous conscients que ce n'est qu'avec les écosystèmes sains que nous pourrions améliorer les moyens de subsistance des populations locales, lutter contre le changement climatique et stopper l'effondrement de la biodiversité, notamment marine. Hier était la célébration de la Journée mondiale des océans, ayant pour thème « Océans, vie et moyens de subsistance » où la restauration des écosystèmes est au cœur de cette thématique. Cette journée est une occasion pour partager avec vous les efforts colossaux réalisés par le département des pêches maritimes en matière de restauration d'écosystèmes littoraux et marins. Ces écosystèmes qui représentent une richesse extraordinaire de biodiversité, vu l'étendue de la côte marocaine qui s'étend plus de 3500 km et de la ZEE aussi marocaine. De même, il constitue un potentiel économique important au travers de la pêche ou du tourisme, mais également une défense naturelle face aux épisodes climatiques importants. Des projets d'envergure ont été lancés depuis longtemps par le département des pêches pour accroître la protection des écosystèmes fragiles en développant des opérations de restauration des zones les plus fragiles, le contrôle des activités qui s'y déroulent. Dans le domaine maritime, le Maroc a montré sa forte volonté de s'inscrire dans un nouveau modèle de développement économique, économie bleue, durable, qui a été évoqué lors du dernier discours de Sa Majesté le Roi, où toutes les activités qui s'opèrent en mer doivent s'épanouir dans le respect de l'environnement. Ça a été aussi soulevé tout récemment par la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement dans son rapport d'avril 2021. Tout ceci nous impose à faire face à la complexité croissante du monde, aux défis de développement et à la préservation des écosystèmes naturels, notamment marins et côtiers. Donc, je vais vous présenter
notre vision, ce qui a été réalisé et notre vision pour le rétablissement des écosystèmes littoraux et marins dans les futures prochaines années. Mon exposé va être comme suit, donc une situation mondiale, un bref aperçu, les pressions sur l'écosystème littoral et marin, le contexte actuel, les projets mis en place pour la préservation et la restauration des écosystèmes. Donc, on va parler principalement de la recherche halieutique, l'aménagement des pêcheries, la mise en place des aires marines protégées, les récifs artificiels et le développement de l'aquaculture, d'une initiative ceinture bleue lancée lors de la COP22. Et à la fin, je terminerai par les perspectives en matière de restauration d'écosystèmes pour les 10 prochaines années. La situation mondiale dit que le Maroc est le premier producteur halieutique au niveau de l'Afrique et se place parmi les top 25 au niveau mondial. Le rapport SOFIA de la FAO de 2020 fait ressortir toutes ces données et fait ressortir aussi trois messages clés. Premièrement, la gestion. Celui qui dit gestion dit planification, dit prévision et dit avoir une vision future bien calculée. Donc, constitue la meilleure stratégie en matière de conservation. L'intégration de mécanismes fondés sur l'attente du marché contribue à la durabilité. Donc, on ne peut pas rester dans l'anarchie, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer au niveau marché si on n'assure pas une durabilité de nos écosystèmes et de toutes les ressources halieutiques qui existent, littorales, marins et toutes les autres ressources. Promouvoir aussi le développement durable de l'aquaculture qui constitue un challenge au niveau national et qui constitue aussi un challenge au niveau mondial. La durabilité est l'unique voie possible pour réaliser tout ceci. Ça, c'est le cadre mondial. Maintenant, on passe aux différentes pressions que subissent les écosystèmes marins, principalement la pollution. Donc, il y a la pollution d'origine anthropique, pollution des émissions terrestres, marines, d'origine domestique, industrielle, pollution par les hydrocarbures, par les transports, par le commerce, les forages, le dragage, la télécommunication, donc les différents types de pollution existantes, la malgestion des autres activités au niveau du domaine marin et littoral. Donc, on a pas non plus d'activités qui s'y installent, mais il faut une planification qui prend en considération les différentes activités et une approche intégrée pour pouvoir sortir et assurer la durabilité des écosystèmes. La pression aussi sur les stocks halieutiques qui se font de plus en plus rares. Les poissons à travers le monde, la majorité des stocks halieutiques sont en état de surexploitation. Et il y a aussi l'impact du changement climatique qu'on ne peut pas nier aujourd'hui et qui est ressenti de plus en plus au niveau mondial et national. Il y a aussi le bruit anthropique. Alors, les poissons, le schéma montre un poisson, un gros poisson qui est en train de fermer ses oreilles. Alors, eux aussi souffrent du bruit et du bruit anthropique. Et ils commencent à sortir. Bon, on remarque beaucoup de poissons qui commencent à perdre le fil. Alors, on les retrouve en échouage à bord de nos côtes et à bord de nos mers. Donc, tout ceci doit être pris en considération pour le rétablissement du bien-être marin et de l'équilibre des écosystèmes marins. Le contexte actuel, donc, il y a une demande accrue sur les ressources, une pression sur les ressources, soit halieutiques, soit littorales, une internationalisation des marchés et une exigence au niveau de la société civile pour la durabilité environnementale. Et il y a aussi le coût de l'énergie qui devient de plus en plus cher. Donc, la tendance mondiale, c'est les fossiles se font rares, il faut passer à l'énergie renouvelable. Il y a les menaces climatiques, il y a la pandémie COVID, ça fait plus d'une année qu'il nous apprend deux leçons. La pêche est placée dans un cadre de développement durable, donc il y a la durabilité écologique, viabilité économique et l'équité sociale. Tous ces principes doivent être pris en considération pour le futur et pour l'actuelle gestion des ressources halieutiques marines et littorales, tout en s'appuyant sur une approche territoriale. C'est important à souligner dans le cadre actuel de gestion que nous menons et dans le cadre de notre politique. Et je vais passer actuellement pour les challenges ou bien
les bases de cette gestion d'écosystème au niveau national et au niveau international. Sur le plan national, en matière de restauration d'écosystèmes marins et côtiers, la base, il y a la stratégie nationale de développement durable. Donc, il y a les enjeux 2 et 3 concernant la création d'aires marines protégées et de planification. Il y a aussi l'initiative Ceinture Bleue qui a été lancée par le Maroc lors de la COP22. Il y a aussi la restauration des écosystèmes au cœur de cette dynamique, de cette approche. Il y a aussi tout ceci en accord avec la stratégie nationale de la biodiversité et ses plans d'action. Sur le plan international, la restauration d'écosystèmes se base sur les objectifs d'Aichi qui ont pris terme en 2020, l'objectif 6 et 11, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et le cadre le code de conduite pour une pêche responsable, un document très, très important de la FAO sur lequel se base une gestion durable et responsable des ressources halieutiques et littorales et en appui de l'approche de précaution et en appui de l'approche écosystémique. Il y a aussi les ODD et notamment la 14 avec la vision 2030. Je vais donner un aperçu très, très, très bref sur le secteur des pêches maritimes et la production halieutique qui n'est pas la seule représentée au niveau de l'écosystème marin, mais qui est l'une parmi d'autres et qui contribue au PIB national, notamment l'extraction minière, les hydrocarbures, etc. Donc la production halieutique à fin 2019 était à 1,4 million en volume, en valeur à 11 millions de dirhams, avec une croissance de 7,2%. Les exportations ont dépassé le volume de 700 000 tonnes en valeur de 22 millions de dirhams. La flotte marocaine est très diversifiée et il y a la hauturière de 322, la côtière 1800 et l'artisanale de plus de 17 000 barques. Bien sûr, tout ceci permet de créer des emplois directs, indirects, soit au niveau marin, soit en mer, soit à terre, soit des emplois indirects pour les activités connexes et l'investissement privé dans les unités de valorisation à terre, puisque l'élément humain reste au cœur de toute stratégie. Donc, le développement de tous ces paramètres va permettre une valorisation et une amélioration de la gestion écosystémique marin et côtière. Le PIB, bien sûr, qui est de 17 millions de dirhams à fin 2019, contre 8,9 en 2010, avec une croissance annuelle pour cette période de 8% entre 2010 et 2019. La base de tout développement des écosystèmes marins pour développer l'approche écosystémique, il nous faut une recherche halieutique et côtière, une recherche nationale qui soit à la hauteur. Et donc, une attention particulière a été donnée en matière de recherche halieutique par le département des pêches maritimes, à l'Institut national de recherche halieutique qui est Farsi Mission, qui a plusieurs moyens pour explorer cet écosystème et nous donner de la donnée scientifique de très bonne qualité. Donc, il y a la production de la connaissance scientifique et apporter des réponses concrètes d'ordre scientifique et technique pour le développement durable du secteur de pêche et de l'aquaculture. Il y a le renforcement des moyens de recherche halieutique. Il y a l'accompagnement de développement dans la mise en place des plans d'aménagement de sa stratégie de certification d'un prémisse protégé des émissions des récifs artificiels. Au niveau aussi de suivi de l'état sanitaire et environnemental du milieu marin, il accompagne aussi l'Agence nationale de développement de l'aquaculture dans la prospection des zones favorables et à l'établissement, bien sûr, après des plans d'aménagement de l'aquaculture et des investissements dans le développement aquacole. Donc, l'Institut national de recherche halieutique dispose de moyens très importants, expertise dans le domaine halieutique, biologique, halieutique, socio-économique, environnemental, et aussi au niveau il dispose de navires de recherche, plus de 3. Le plus récent, il a été acquis du Japon récemment,
ils disposent de laboratoires centraux régionaux et spécialisés. Ils disposent d'un observatoire halieutique marocain qui constitue une plateforme interactive d'informations scientifiques pour accompagner les gestionnaires, les pêcheurs, les aquaculteurs et les chercheurs, et bien sûr les autres prestataires. Les principaux projets de l'Institut national de recherche halieutique, c'est la caractérisation environnementale des habitats et des écosystèmes côtiers, l'évaluation de l'écosystème, l'évaluation de l'état de pollution et l'impact par les déchets marins et le microplastique, l'identification et suivi des zones rocheuses, l'identification des sites à ériger en aire marine protégée, donc des habitats à un intérêt écologique, biologique très important qu'il faut, où on doit développer les aires marines protégées, habitats essentiels, biodiversité endémique, zones d'importance écologique, identification des habitats sensibles, les zones de frayère, les zones de recrutement et aussi le suivi des espèces exotiques envahissantes qu'on commence à voir au niveau de nos plages et dans les paniers de nos marins et de nos pêcheurs. Madame Hassouni, il vous reste 2 minutes. D'accord. Le temps passe vite. Le temps passe vite, oui. D'accord. Si vous pouvez résumer. Le plan d'aménagement qui ont été élaborés, ça fait maintenant 10 ans, au cours de la stratégie halieutique, les 20 plans d'aménagement et les mises en place des unités d'aménagement, les fermetures et toutes les mesures qui ont accompagné la durabilité dans le but de préserver les habitats et les espèces maritimes du milieu côtier. Il y a aussi la stratégie nationale des aires marines protégées qui a permis la création de 3 aires marines protégées et qui a pour objectif la restauration des écosystèmes, la reconstitution des stocks halieutiques, garantir la durabilité des stocks halieutiques et des pêcheries, la protection des écosystèmes fragiles, le renforcement des résiliences au changement climatique et la résolution des conflits entre les différentes parties prenantes, la génération des bénéfices dans la zone côtière. Il y a aussi les émissions de récifs qui constituent une composante importante pour le rétablissement des écosystèmes et la lutte contre le chalutage. Donc, il y a aussi un aspect très important à souligner, c'est la lutte contre la pêche fantôme, la pêche illicite, qui constitue un handicap très important pour le rétablissement des écosystèmes. Et il y a eu la création de la direction des contrôles en 2017 au sein du département de pêche maritime. Et maintenant, on dispose d'un centre de surveillance des navires de pêche par satellite. Le Maroc a été gratifié, donc je souligne vite, monsieur Bello, vous m'excusez, vous allez me donner encore 1 minute. Donc, il a été gratifié à plusieurs reprises pour ses initiatives concernant la lutte de pêche INN et concernant des initiatives de généralisation de caissons isotherme au niveau national. Il y a maintenant au niveau de l'aquaculture, il y a le développement de projets en respect de l'environnement et de la durabilité, par exemple la mariculture, la culture d'algues, qui constitue une opportunité réelle pour contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Donc tout ça, c'est toujours ayant comme objet la thématique d'aujourd'hui, qui est le rétablissement des écosystèmes côtiers et marins. Ici, je vais parler brièvement de l'initiative Ceinture Bleue que vous connaissez tous et qui a pour objectif d'améliorer l'observation dans le domaine marin et de faire aussi du pêcheur un observateur, gestion durable des pêcheries, établissement d'une stratégie d'air marine protégée, restauration des habitats, un bateau de futur qui respecte l'environnement et qui respecte et bien sûr qui utilise des énergies peut-être durables. Et la tendance vers zéro rejet, parce que les rejets en domaine marin constituent un handicap très important. Et on est dans le monde, beaucoup de gens souffrent de la faim, alors que d'autres jettent des milliers de protéines. Développement d'une aquaculture respectueuse de l'environnement, l'algoculture, les perspectives, je vais finir très très bientôt, donc c'est le dernier slide. Donc, perspectives, c'est le renforcement des mesures visant une exploitation optimale des ressources halieutiques, la poursuite du développement de l'aquaculture, l'amélioration de la compétitivité du secteur, l'intégration de la recherche, de l'innovation et de nouvelles technologies comme levier de développement durable du secteur, améliorer l'efficience de l'action publique dans le secteur halieutique, mise en œuvre de cette ceinture bleue, de cette initiative et lancement de projets pertinents dans le cadre du développement de l'économie bleue durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Fatema Zahra Hassouni. Encore une fois, désolé pour
vous rappelez le temps. Il y a beaucoup de matière, il y a énormément de choses qui sont faites. Ce n'est pas facile de résumer tout ça, mais nous sommes dans cette réunion, dans ce webinaire. Nous avons avec nous la présence de responsables qui ne peuvent pas rester plus longtemps que 14h15, 14h30. C'est un peu l'heure qui est prévue pour terminer. Et c'est pour ça que je vous rappelle de mieux gérer le temps. Et nous avons terminé maintenant avec les exposés que je dirais institutionnels. Madame Hassouni nous a parlé de tout ce qui est vision et réalisation du département des pêches maritimes en matière de restructuration, de restauration des écosystèmes littoraux et marins, et avec différents aspects, notamment tout ce qui est développement de l'aquaculture et les plans d'aménagement des pêcheries qui sont en alignement avec les objectifs environnementaux internationaux, et aussi tout ce qui est l'établissement d'aires marines protégées, et aussi tout ce qui est effort du Maroc pour lutter contre la pêche illicite. Entre autres points que Madame Hassouni a présenté, il y a déjà, je vois beaucoup de questions, bien sûr, par rapport aux milieux marins qui sont là, et nous les aborderons après. Maintenant, nous allons passer à l'UICN avec Monsieur Maher Mahjoub. Monsieur Maher Mahjoub, qui travaille au Centre de coopération pour la Méditerranée de l'UICN, basé à Malaga, en Espagne. Et il va nous parler des solutions fondées sur la nature, avec une approche innovante pour résoudre les défis sociétaux. À vous la parole, Monsieur Maher. Et merci de respecter le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. C'est Birouk. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative portée par le ministère chargé de l'Environnement au Maroc et remercier Monsieur le secrétaire général, Monsieur Ben Yahia, d'avoir pris cette initiative et avoir invité l'UICN à faire partie un peu de l'équipe des panélistes pour ce webinaire et partager un peu quelques informations en relation avec la thématique de cette journée. Également adresser mes salutations à Madame Sylvia Lopez-Ikra, coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc, et à Madame Juliette Biard, directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUE, et à la totalité des participants qui nous suivent et des panélistes qui représentent des institutions gouvernementales, académiques, des ONG et des organisations régionales et internationales basées au Maroc. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le modérateur, ma présentation va évoquer la question des solutions fondées sur la nature. Et je vais essayer de partager mon écran. Vous me faites signe, s'il vous plaît, si vous le voyez bien. Oui, c'est bon. Mettez le mode diaporama. Là, on voit il est. Non, pas encore. Exact, c'est bon maintenant. Ouais. Très bien, parfait. Donc, la thématique de ma présentation, c'est les solutions fondées sur la nature pour les défis de société. Avant de démarrer sur la thématique, donc quelques informations de base sur l'UICN pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien l'organisation. Donc, l'UICN est une organisation qui a été fondée en 1948. C'est la plus grande organisation environnementale au monde actuellement. C'est une union démocratique unique avec plus de 200 gouvernements et plus de 1100 membres de la société civile présents dans plus de 160 pays à travers le monde. L'UICN est le fournisseur principal des connaissances les plus récentes sur la biodiversité avec un réseau qui comprend plus de 15 000 experts et scientifiques. L'UICN jouit du statut officiel d'observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et tous les quatre ans, l'UICN organise le Congrès mondial de la nature qui rassemble les membres et les dirigeants mondiaux pour partager, débattre et agir sur les dernières avancées en matière de conservation et de développement durable. Le prochain congrès, il aura lieu au mois de septembre prochain, du 3 au 11, à la ville de Marseille, en France. Donc, au Maroc, il y a actuellement 16 organisations membres
Il y a un membre gouvernemental donc, qui est représenté par le département des eaux et forêts, qui est le point focal ou le vis-à-vis de l'UICN au Maroc, et 15 associations qui sont actives dans le domaine de la conservation de la nature et du développement durable. Et également un comité national, l'UICN, a été établi depuis 2011, qui est actif pour développer des initiatives en relation avec la conservation de la nature. La mission de l'UICN, d'une manière générale, c'est d'influencer, d'encourager et d'aider les sociétés à conserver l'intégrité de la diversité de la nature et à assurer que les ressources naturelles soient utilisées d'une manière équitable et durable. Donc, par rapport aux solutions fondées sur la nature, un petit feedback ou flashback un peu de la naissance de ce concept. Les premières origines un peu de ce concept remontent un peu à la COP 15, si on peut dire, en 2009, où il y a eu préparation d'un document de synthèse par l'UICN pour la conférence des parties des changements climatiques, où elle a mis en exergue l'importance des solutions fondées sur la nature comme solution aux défis sociétaux. Puis, une série d'événements a fait en sorte que ce concept et un peu plus d'ancrage institutionnel et de reconnaissance internationale. En 2010, il y a un rapport conjoint entre l'UICN et le WWF qui a traité des SFN. Puis en 2013, l'UICN même a commencé à entériner ce concept dans le cadre de son programme de travail. Et il faisait partie des 3 domaines prioritaires dans le programme de l'UICN. Et en 2016, donc, comme vous le savez certainement, au moment du congrès de l'UICN qui a eu lieu à Hawaï, aux États-Unis, donc il y a eu l'adoption de la définition officielle des solutions fondées sur la nature. En 2017, donc, il y a eu l'appel Horizon 2020 de l'Union européenne avec la mise à disposition d'une cagnotte de 180 millions d'euros pour développer et encourager les actions SFN. En 2019, l'UICN elle a commencé l'élaboration d'un standard que je vais évoquer tout à l'heure pour aider les administrations et les pays à mettre en œuvre et à appliquer donc le concept des SFN. Et ce standard a été présenté et validé en 2020, l'année dernière. Et on en est là. Maintenant, on est dans la phase un peu de la mise en œuvre et d'identifier les opportunités ici et là. Bien sûr, la décennie, vous l'avez évoqué au début, ça concerne la restauration des écosystèmes. Et il y a la restauration des écosystèmes et les SFN sont des concepts intimement liés. Puisque la restauration des forêts, qui a été déclenchée avec l'accord de Bonn, ou le défi de Bonn en 2011, elle faisait partie des premiers SFN, des premières SFN à l'échelle mondiale. Comme vous le savez, près de 74 engagements ont été pris par 61 pays, totalisant près de 210 millions d'hectares à restaurer. 115% des engagements cumulés pour 2020 ont été mis en œuvre. C'est une preuve évidente, bien sûr, que les SFN peuvent être mis en œuvre à grande échelle. Le défi de Bonn, donc, l'a jeté en quelque sorte les bases pour le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Un des impacts qui ont été recensés jusque-là, c'est que la restauration des écosystèmes, elle crée de l'emploi. Et à peu près 350 000 emplois ont été créés grâce aux engagements de la restauration dans seulement 5 pays pilotes, c'est pour vous dire un peu l'importance de ces actions. Également la possibilité de séquestrer jusqu'à 15 milliards de tonnes de CO2 sur une période de 20 ans. C'est pour dire un peu l'importance d'accorder un peu les opportunités nécessaires pour la restauration des écosystèmes. Donc, les solutions fondées sur la nature, donc la définition, comme je l'ai dit, a été adoptée en 2016, je la rappelle ici dans la diapo. Donc, il s'agit d'actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés. Donc, on parle de protection, gestion et restauration d'écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative,
tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, les solutions, c'est des actions. C'est une dynamique d'action sur le territoire qui doit répondre à un certain nombre de critères pour être considéré comme des solutions fondées sur la nature. Donc, le standard a été adopté en juillet 2020. Vous avez la publication à droite de la diapo. Et ce standard, il comprend 8 critères et 28 indicateurs qui vont, disons, assister les pays à mettre en œuvre ce concept. Donc, c'est un axe assez important, les SFN dans le programme de l'UCN 2021-2024, qui vient d'être adopté aussi, et les orientations des conventions comme la CPD, le changement climatique, la Convention de Barcelone également, et la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Tous ces cadres de gouvernance, ils ont inclus les SFN dans leur plan de travail. Et pour votre information, également, nous avons lancé une initiative il y a quelques 2-3 ans par là, après la COP changement climatique organisée au Maroc, pour aider un peu à mettre en valeur les SFN dans l'élaboration des NDC, les contributions déterminées au niveau national, une initiative que nous avons lancée au Maroc et en Tunisie. Bien sûr, les solutions fondées sur la nature doivent satisfaire à 2 exigences principales, c'est de contribuer de façon directe à un défi de société identifié autre que celui de la conservation de la biodiversité. Donc, ça, c'est important. Et la deuxième exigence, c'est qu'ils doivent s'appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité. Ces deux choses doivent être couvertes. Le concept des solutions fondées sur nature rassemble et s'appuie sur différents concepts associés, tels que la restauration écologique, l'ingénierie écologique, les infrastructures vertes, la gestion fondée sur les écosystèmes, la restauration des paysages forestiers, l'adaptation fondée sur les écosystèmes, l'atténuation fondée sur les écosystèmes et la réduction des risques naturels fondés sur les écosystèmes. Donc, tout ça, ça fait partie des SFN donc, ensemble. Pour votre information, 2/3 des gouvernements qui ont soutenu l'accord de Paris, ils ont inclus des actions SFN dans leur plan d'action. Et également, ils ont 13 des objectifs de développement durable sont directement liés à une solution fondée sur la nature et tout le reste, ils ont également des contributions indirectes aux SFN. Bien sûr, j'arrive maintenant au standard. Le standard mondial, comme je l'ai dit, il a été validé en juillet 2020. Il sert à établir un dialogue intersectoriel, à amorcer de nouvelles discussions et à fournir un cadre et un langage commun pour discuter des compromis entre acteurs. Donc, on est autour de ce panel, il y a plusieurs départements qui sont impliqués dans la conservation de la biodiversité et donc c'est un cadre qui va aider un peu à avoir un langage commun entre les différents intervenants, que ce soit de l'administration, de la société civile, du milieu de la recherche, etc. Donc, c'est un standard compatible avec le code de bonne pratique parce qu'ils doivent respecter quelques aspects de réglementation, de vérification, système de vérification. Pour l'élaboration de ce standard, 2 consultations à large échelle mondiale ont été menées avec l'implication de 800 experts dans 100 pays engagés. Donc, comme je l'ai dit, il y a 8 critères et 28 indicateurs qui forment ce standard. Donc, on va aller très vite sur les critères, un à un, sans bien sûr entrer dans les détails. Le premier critère, c'est de s'assurer que la solution, que l'action que vous allez mener, elle répond à un ou plus des défis sociétaux. C'est quoi les défis sociétaux? C'est ce que vous voyez un peu. Il y a 7 défis qui ont été identifiés. C'est l'atténuation et adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau et la dégradation environnementale et perte de biodiversité. Donc, l'action que vous allez mener, elle doit au moins répondre à un de ces 7 défis sociétaux, si ce n'est plus. Donc, ça, c'est le premier critère. Et après, vous avez ici 3 indicateurs pour vous aider à s'assurer, à vérifier que si votre action, elle répond ou non à ce critère.
Deuxième critère, donc, il permet de vous guider sur la conception d'une solution adaptée à l'ampleur du problème. C'est un peu la question de l'échelle et de la géographie. Et par ampleur, on entend ici d'abord l'échelle géographique, terrestre et marine, ainsi que les dimensions économiques, écologiques et sociétales du paysage terrestre et marin. La zone cible où se pose le défi sociétal fait généralement partie d'un système plus vaste, qu'il soit écologique, économique ou sociétal. Si les activités de l'intervention se limitent à l'échelle du site, la robustesse, l'applicabilité et l'adaptabilité de la solution doivent être pensées de manière à tenir compte des systèmes plus vastes en jeu. Il ne faut pas que le projet soit très localisé, très limité au point de vue superficie et géographie, mais plutôt répondre à cette question de mise à l'échelle. Donc, le troisième critère, les critères 3, 4 et 5, en fait, ils correspondent aux trois piliers du développement durable. Celui-là, c'est sur les aspects économiques. Trois critères, trois piliers du développement durable, c'est durabilité environnementale, équité sociale et viabilité économique. La mise en place d'une SFN optimale exige pour chaque critère une certaine compréhension des ressources existantes et du contexte qui serviront de référence et des mesures durables sont nécessaires. Donc, ce critère, le critère 3, il aide à la conception et la mise en œuvre d'une SFN, puisqu'elle doit impérativement éviter de porter atteinte à l'intégrité du système et au contraire, chercher à améliorer la fonctionnalité et la connectivité de l'écosystème. Donc, il faut s'assurer que l'intervention qu'on doit faire ne porte pas des impacts négatifs donc sur l'écosystème, bien évidemment. Le critère 4, c'est un peu le retour sur investissement, le rendement et l'efficacité de l'intervention et la répartition équitable des gains et des dépenses sont tous des facteurs clés du succès d'une SFN. Ce critère exige de prendre suffisamment en compte la viabilité économique de l'intervention pendant la phase de conception et lors du suivi de la mise en œuvre. Voilà. Le critère 5, c'est la gouvernance inclusive. Ce critère, donc, il implique que la solution fondée sur la nature que vous allez utiliser, elle reconnaisse, implique et réponde aux préoccupations de diverses parties prenantes, donc, en particulier celles des ayants droit, par exemple, ceux qui vivent sur le site du projet. Le critère 6, du standard, donc c'est équilibre de compromis, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc le critère 6, il traite de l'équilibre à trouver entre les compromis et les choix à faire pour atteindre les objectifs à court et à long terme, de la manière de garantir une démarche permettant de définir ces compromis d'une manière transparente, équitable et intégrante. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ces aspects de conservation. Donc là, il va falloir s'assurer que toutes les parties prenantes ont été impliquées un peu dans la discussion et la validation des actions et que les avantages et les impacts de ce projet soient équitablement répartis entre les différents bénéficiaires. Le critère 7, c'est la gestion adaptative. Donc ce critère, il répond au besoin d'adopter un mode de gestion adaptatif qui facilite une amélioration continue des processus à l'échelle du système et permet d'adapter la SFN en fonction des changements systémiques. Là, il faut toujours garder à l'esprit que les conditions de mise en œuvre changent, les partenaires peuvent disparaître en cours de route, par exemple. Donc, il y a toujours des changements qui peuvent surgir en cours de la mise en œuvre. Et là, le projet ou la solution que vous allez mettre en œuvre doit être capable de s'adapter à ces différents changements et de trouver des solutions en cours de route. Donc, le critère 8, le dernier, c'est l'intégration et durabilité. Donc, le véritable potentiel des SFN, en fait, il réside dans leur mise en œuvre à long terme et à grande échelle. Ceci est rendu possible par une intégration des concepts et des mesures dans le cadre des politiques ou réglementations. Donc, ne pas garder les SFN comme des initiatives isolées ou des projets pilotes, mais les intégrer dans des politiques et des réglementations à l'échelle nationale. Et ceci va aider un peu les pays à atteindre leurs objectifs et engagements
vis-à-vis des conventions internationales. Bien sûr, deux mots par rapport à la mise en œuvre de ces critères, de ce standard. Donc, cette démarche un peu d'autocontrôle proposée par le standard, c'est-à-dire vous avez les critères, vous avez les indicateurs, et vous évaluez vous-même si votre solution, si votre projet est assimilable à une SFN ou non. Donc, ce modèle, il permet aux utilisateurs issus de tous les plans de la société, de toutes les catégories d'intervenants, de réussir leur transition vers des SFN bien conçus, exécutables et durables. Néanmoins, cette notion de facilitation n'exclut pas les besoins de crédibilité et de robustesse exigés par la mise en œuvre du standard. Donc, c'est pour cela qu'une structure de gouvernance reconnue et faisant figure d'autorité, ainsi qu'un processus de mise en œuvre rigoureux, donc, a été mis en place. La structure générale de gouvernance, elle comprend quatre composantes principales. Un comité international du standard, un comité scientifique, un groupe d'utilisateurs et des pôles régionaux ou nationaux de mise en œuvre pour aider à adapter le standard au contexte local et national de chaque pays et de chaque zone d'intervention de projet. Bien sûr, cette structure garantit une gestion globale de la mise en œuvre d'une application fiable du standard sur le plan scientifique et pertinente au niveau national aussi du standard afin de concrétiser les SFN. Ce mécanisme de gestion permet d'adapter le concept de SFN et la mise en œuvre du standard au contexte en question, comme je l'ai dit, national par exemple, tout en veillant à ce que les principes de cohérence, de qualité et d'assurance soient respectés. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs garde-fous qui ont été mis autour de ce standard pour s'assurer que la personne ou disons l'entité qui mettra en œuvre un peu ce standard et toutes les garanties pour les assurances pour dire que le projet il est assimilable à une SFN ou non, parce que on voit de plus en plus les bailleurs de fonds maintenant exigent pour le financement des projets que le projet soit considéré comme une SFN, que le projet répond aux standards et aux critères des SFN, etc. Donc, tout ça, c'est pour aider les utilisateurs de ce standard à s'assurer que leur projet cadre bien ou non avec le concept des solutions fondées sur la nature. Bien sûr, avant de finir, plusieurs publications ont été développées jusque-là. C'est vrai que lorsque Lucien a développé ce concept, nous avons émis la définition en 2016, personne n'espérait qu'il y a tout cet enthousiasme à l'échelle internationale autour de ce concept, une volonté de l'appliquer à l'échelle nationale et locale. C'est pour ça que nous avons développé tout de suite après le standard et une série de publications. Donc, vous pouvez ici consulter toutes les publications autour de ce concept qui vont certainement vous donner un peu plus d'informations sur les solutions fondées sur la nature et surtout sur comment appliquer ce concept au niveau local et national et ainsi les projets, disons la nouvelle génération des projets, répondent mieux aux défis sociétaux auxquels on cherche tous à trouver des solutions communes. Voici, donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention et je serai disponible à répondre à quelques questions s'il y en a par la suite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Maher, pour cette présentation très instructive sur les solutions fondées sur la nature. Monsieur Maher, bien sûr, après avoir exploré un peu les différentes définitions et l'évolution de la définition de la SFN jusqu'à 2016, et ensuite il a montré comment les différents critères
pour élaborer autour des solutions fondées sur la nature. Il a montré aussi, il a expliqué aussi comment les solutions fondées sur la nature peuvent répondre à de nombreux défis, des défis sociétaux, humains ou la dégradation de la biodiversité. Donc, c'est vraiment au cœur de l'approche de la décennie de la restauration pour la restauration des écosystèmes. Et donc, il y a beaucoup de critères. Il a enfin présenté comment le Comité international du standard vient aider au déploiement du standard mondial de l'USN pour les solutions fondées sur la nature avec une gouvernance coordonnée, transparente et efficace, qui est en alignement avec les ODD. Merci beaucoup, M. Maher. Et certainement, nous allons y revenir. Cette question de la gouvernance revient à plusieurs moments et je pense que ce sera l'un des sujets de notre discussion globale avec le panel. Nous allons passer à la présentation de Monsieur Abdelmajid Idrissi Ammari, coordonnateur du projet FAO-GEF OASIL. Il s'agit de revitaliser les agro-systèmes oisiens à travers une approche durable, intégrée et paysagère. Monsieur Abdelmajid Idrissi est une référence par rapport à tout ce qui est fait dans les milieux oisiens. Il a eu un parcours professionnel diversifié et riche en expérience, notamment dans les milieux oisiens. Il a travaillé comme responsable chercheur, puis responsable à l'INRA, et aussi en tant que directeur général du département de l'agriculture aux Émirats arabes unis. Et ensuite, il a travaillé avec l'ANZOA et actuellement, il est à la FAO en tant que responsable de ce projet OASIL. Monsieur Abdelmajid, à vous la parole. Merci, monsieur l'animateur, cher ami Sibirouk. Je rappelle que notre première rencontre était dans les oasis. Hein, exactement, en 1980, j'ai en 41 ans. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir offert cette possibilité justement de vous présenter ce qu'on peut appeler la revitalisation des agro-écosystèmes oisiens. C'est un projet, en fait, je vais le faire à travers un projet qui est piloté par le département de l'environnement, mais qui est exécuté sur le terrain par l'AFAO avec le concours d'abord d'une agence nationale d'exécution, l'ANZOA, mais aussi avec les autres partenaires du terrain, les différentes administrations et également avec les représentants des collectivités. Bon, je vais essayer d'emprunter trois axes. Un axe qui va présenter le contexte global des oasis qui justifie ce projet. En même temps, une brève présentation du projet OASIL et par la suite, justement, donner quelques exemples d'intervention. Alors, comme vous le savez tous, les oasis sont des écosystèmes qui fournissent des services économiques, écologiques, socioculturels dans les zones arides. En fait, ils font partie. Oui. Vous m'entendez, M. Idrissi? Est-ce que vous pouvez mettre le mode diaporama complet parce qu'on voit les. C'est ce que j'ai mis justement. J'ai mis le mode diaporama. Diaporama sans la page de notes, comme ça on peut voir la diapo en grande taille si possible. Sinon, on peut continuer comme ça. C'est ce que j'ai fait, hein. Ce que j'ai fait. J'ai un mode diaporama. Je continue hein. Comme ça. D'accord. Bon, alors je disais que les oasis ils font partie de notre histoire, mais en fait ils sont aussi de notre présent. Mais il y a un risque si on les maintient pas de ne pas être de notre futur. Alors ils ont aussi disposent d'un patrimoine naturel, sociaux, culturel très très important, comme aussi ce sont des espaces de production agricole. Et aussi, ils jouent un rôle régulateur du climat en milieu désertique et une ligne de défense, justement, contre l'appropriation du désert. C'est là, justement, ils ont des services économiques et des services écosystémiques au niveau de ces régions.
Mais malheureusement, la résilience de ces écosystèmes agro-silvopastoraux, qui autrefois étaient gérés durablement, est mise en cause par un certain nombre de transformations récentes qui exercent des impacts directs ou indirects, des pressions souvent qui sont dégradantes. Je prends l'exemple de l'économie du marché, la croissance de la population avec tous les impacts anthropiques, les défis d'immigration, les changements climatiques et pollution de l'environnement. En fait, tout cela a, si vous voulez, des impacts très négatifs sur les agroécosystèmes voisins, parfois même abandon des pratiques ancestrales, consolidation des budgets familiaux au lieu d'investir dans les écosystèmes, c'est d'autres infrastructures, perturbation des relations sociales, des décalages des saisons et puis aggravation aussi des risques épidémiques d'eau. Tout cela, si vous voulez, malgré les investissements qu'on fait dans ces agroécosystèmes, il y a toujours nécessité de faire un travail supplémentaire et de fournir des efforts qui vont dans la gestion durable des ressources naturelles. D'où justement l'intérêt de revitaliser les agroécosystèmes voisins. Alors, c'est le projet justement qui est un projet qui est avec un cofinancement du PNUD et de l'État marocain et qui vise la revitalisation des agroécosystèmes voisins à travers une approche intégrée, durable et paysagère, et on a pris la région de Draa, Tsafili Alet comme espace justement d'intervention de ce projet. Cet espace justement qui englobe 5 provinces, je vous l'ai cité, donc je ne vais pas le répéter, mais en fait c'est un projet aussi qui dure 5 années à partir de 2017. L'objectif de ce projet, c'est de revitaliser les agroécosystèmes moisiens de la région de Draa, Tsafili Alet pour qu'ils soient productifs, donc un aspect si vous voulez économique, attractif sur le plan même, si vous voulez, des paysages, et sain sur le plan de l'environnement, et pour soutenir et rendre plus résistants les moyens de subsistance des communautés locales. C'est là aussi l'aspect social, d'une manière globale, c'est une approche de développement durable. Alors, le projet intervient selon 4 composantes. Une composante qui vise le soutien au dialogue politique. Et ce soutien au dialogue politique, c'est beaucoup plus aller vers les élus, vers les plans, si vous voulez, le développement, de telle manière à y intégrer l'aspect de gestion durable des ressources. Et puis une composante 2 qui va vers la planification, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus d'abord connaître l'agroécosystème, connaître ses composantes, les caractériser. Et puis une composante de démonstration qui, à partir de plans d'investissement de gestion durable, on peut faire démonstration au niveau de certains sites. Et puis, à la fin, justement, la composante 4 qui va beaucoup plus sur la diffusion de l'information. Alors, pour réaliser ce projet, on a commencé d'abord par une typologie des oasis dans la région de Draa, Tsafili Alet selon des critères. Critères topographiques, critères bioclimatiques, critères hydrologiques, critères des systèmes de production et critères socio-économiques. Ce qui a permis d'identifier et de caractériser 19 types d'oasis dans la région de Draa, Tsafili Alet. Bon, on ne peut pas travailler sur ces 19, mais on a choisi celles qui sont représentatives, les plus représentatives. Et là, on exerce sur 5 sites, 2 de montagne, et 2 intermédiaires et 1 site au niveau de la plaine. D'une manière aussi globale, on travaille sur 24 communes sur les 125 communes qui existent au niveau de la région de Draa, Tsafili Alet. De même, sur le plan de l'approche, d'abord une approche intégrée, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une vision globale de développement avec la participation multisectorielle et multipartite. Durable, justement, va aller vers justement la gestion globale ou la gestion durable des ressources naturelles et paysagères, de telle manière à ce qu'il va y avoir de l'intercommunalité et surtout une conception participative, inclusive et de mettre en œuvre des plans de gestion d'investissement agroécosystémique au niveau de ces agroécosystèmes.
On passe par quelques exemples. D'abord, la question de l'eau. La question de l'eau, il vient bien sûr comme une première priorité. Et sans cette goutte d'eau, il n'y aura ni revitalisation, ni développement. C'est pour cela que le projet, il a commencé d'abord justement par prendre en considération cette première priorité à travers un certain nombre d'actions. Les actions qui ont d'abord, c'est que il fallait d'abord faire une comptabilité, une audit de l'eau dans toute la région. C'est ce qui est en train actuellement d'être terminé. Étudier également tout ce qui est possibilité de recharge des nappes et faire de réhabilitation des sagas et des taras et aussi faire des études de faisabilité de petits barrages, suivre la nappe avec l'installation de piézomètres et puis faire également des fonçages et des forages de telle manière à ce qu'il y ait une utilisation commune et rationalisée de l'eau. Et puis également la construction de seuils justement pour le captage de l'eau de ruissellement. Le deuxième aspect, j'ai tout ce qui est gestion durable des sols. Il y a une évaluation participative de la dégradation du sol selon l'approche LADA, puis une étude de faisabilité des ouvrages de collecte des eaux de lutte contre l'érosion et de protection du terrain agricole, comme également construction des seuils et de murs de protection au niveau des sites de montagne pour la protection des sols. Comme il y a également action de lutte contre l'assablement et fixation du dune et rebasement de certains périmètres avec l'acacia. Autre chose aussi auquel s'intéresse justement ce projet-là, c'est la biodiversité. Et pour la biodiversité, elle est très diversifiée et on a un certain nombre d'actions qui sont menées sur le terrain. C'est d'abord l'agrobiodiversité végétale. En espèces écotypes cultivées au niveau des espaces cultivés. Et là, le travail, et c'est un travail de caractérisation et de sensibilisation et déclenchement d'un processus de conservation in situ des différents écotypes qui existent. Tout à l'heure, Madame la représentante, plutôt la coordinatrice du système Nations Unies, il a parlé déjà de 114 écotypes qui ont été déjà identifiés et mis en collection et également conservés au niveau de la banque de gènes de Stade. Sur le plan animal, la biodiversité animale, on a également tout ce qui est race et population locale, que ce soit ovine, caprine, bovine, camélidée, cunicole, volaille, équidée. Et là également, il y a une caractérisation qui est en train de se faire, qui va bientôt être terminée, le déclenchement aussi d'un processus de conservation et de valorisation de ces races. De même, en ce qui concerne la biodiversité végétale dans les parcours, la caractérisation des faciès végétaux, les espèces, les écotypes, et surtout la multiplication des semences et l'organisation justement pour la multiplication des semences, et puis la valorisation et le développement des pins. Il y a également, derrière ça, tout ce qui est diversité faunistique, sauvage, d'ici, pour connaître les habitats, connaître les peuplements, connaître les espèces, les principales caractéristiques et les menaces, ainsi justement de faire les mesures, de prendre les mesures réalisables pour leur préservation. Un centre qui était déjà mis en place, qui est fonctionnel, c'est le centre technique pour la préservation et le développement de l'abeille jaune saharienne. C'est une abeille qui a ses caractéristiques, qui est inféodée, qui est endémique en quelque sorte à ces écosystèmes, d'agro-écosystèmes oisiens. Pour la pollution, c'est que les agro-écosystèmes également souffrent de ce mal du temps. Et là, justement, il fallait s'y pencher. Il y a des études qui ont été menées et qui sont en train aussi d'être menées. L'étude de l'impact environnemental du tourisme sur des sites Merzouga et Mhamid. Nous avons l'étude de l'impact environnemental des huileries sur les cours d'eau en amont des barrages Guir, Zizedra, remise à niveau du bassin des margines d'une huilerie au niveau en amont du barrage Ziz, étude de la mise à niveau de la steppe et l'utilisation des eaux usées en agriculture, également des études d'assainissement liquide des communes de Grema, comme étude de toute la problématique d'assainissement liquide au niveau d'Exour et l'équipement d'associations pour le ramassage des ordures ménagères.
Tout cela, c'était en quelque sorte déjà quelques aspects qu'on peut parler sectoriels. Mais en fait, le projet, il vise l'intégration et aboutir à des plans d'investissement de gestion durable au niveau des écosystèmes. Donc, inscription de tout cela dans, après un diagnostic dans un plan. Et là, trois axes stratégiques ont été pour chaque plan et pour chaque écosystème au niveau du site. C'est l'axe stratégique préserver la biodiversité. L'axe stratégique promouvoir une gestion collective, rationnelle des ressources naturelles et puis à l'emploi rural. Et puis un axe stratégique améliorer le système de gouvernance et renforcement des capacités des acteurs. Nos ambitions, c'est justement d'intégrer au niveau des PAC, au niveau des plans régionaux, au niveau des plans provinciaux de développement, tout ce qui est gestion durable des ressources et agir dans l'intercommunalité. Là aussi, il y a un soutien pour réaliser ces plans. Il y a un soutien qui se fait pour l'ancrage de la planification intégrée. D'abord, un système de renforcement de dialogue multipartite. Et c'est également une évaluation participative des risques de dégradation environnementale qui est en train de se faire. La plateforme multipartite pour l'échange d'informations, puis un plan de formation au niveau de ces sites, mais également aller vers l'élaboration d'une charte, la préparation et l'élaboration de charte des oasis durables, comme également en termes de communication, tout ce qui est élaboration et diffusion de documents didactiques. Pour conclure, c'est que c'est un projet qui se veut pour une revitalisation participative et inclusive. D'abord, il y a un comité directeur, ce comité directeur il y a ses orientations, une concertation avec les autorités provinciales, une concertation avec les présidents des communes, une concertation avec ce qu'on appelle au niveau de chaque site des comités de concertation d'orientation, concertation avec les divers partenaires et orientation des études conduites dans le cadre de ce projet qui permet d'élaborer annuellement un projet de travail pour l'exercice qui, en fait, s'articule selon trois principaux axes. Axe des études, justement, pour terminer ce qu'il y a et caractériser et bien connaître les agroécosystèmes. Les axes de démonstration pour aller sur le terrain et essayer de montrer au niveau des sites l'intérêt justement de la gestion durable, mais aussi travailler dans l'intercommunalité, et puis tout ce qui est renforcement des capacités et développer l'information et la communication. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Idrissi Amari Abdelmajid, à travers cette présentation très intéressante et concrète. Nous avons pu voir comment les écosystèmes oisiens ont une grande importance pour les zones arides, car fournisseurs de plusieurs services écosystémiques d'ordre écologique, sociaux et culturel. Et vous avez montré aussi les dangers et les défis auxquels font face les écosystèmes, notamment ceux liés au mouvement des populations et au changement climatique. Et à travers le projet Oasis, nous avons vu les premiers résultats, la structure du projet, les premiers résultats, ce projet qui vient aider à la revitalisation des agro-systèmes oisiens dans la région de Draït et Filelt, et donc l'approche intégrée, durable et paysagère a pu contribuer à une meilleure maîtrise de la gestion durable de l'eau, et des sols et de mieux protéger et valoriser la biodiversité. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir tout de suite, enfin bientôt, dans les panels de discussion. La parole maintenant à professeur Zoubida Charouf. Madame Charouf est professeure émérite à la faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat. Elle est présidente de l'association Ibn Baytar au Maroc et vice-présidente de la Fédération internationale Afrique Beauté et de plusieurs associations marocaines. Des plantes médicinales marocaines qui a fondé les premières coopératives féminines de production et commercialisation d'huile d'argan.
dès 1996. Madame Zoïda Charouf va nous parler aujourd'hui de la mise en place de forêts nourricières au Maroc. Madame Charouf, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup Birouk, c'est un plaisir de vous revoir. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de participer avec vous à la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. Je suis vraiment ravie d'être là et je vous remercie aussi pour l'invitation parce que j'ai beaucoup appris depuis ce matin et j'espère que à travers cette participation, je pourrai collaborer avec plusieurs intervenants. Alors, l'association Nol Baytar a été créée suite à un certain nombre de collègues à la faculté des sciences des Rabat pour répondre un petit peu aux problèmes, pour poursuivre plutôt les recherches scientifiques qui ont démarré à la faculté des sciences dès les années 80 pour la valorisation de l'arganier. Alors, comme vous savez, dans les années 70, l'arganerie était en régression, aussi bien en surface qu'en densité. Et ce challenge que nous avons mis en place pour essayer de valoriser les produits, profiter les populations locales pour que ce soit eux-mêmes qui préservent l'arganerie. Pour le sommaire de cette présentation, je vais d'abord, si vous permettez, vous présenter l'association Nol Baytar et ensuite parler des forêts nourricières. Alors, donc, comme j'ai expliqué, nous avons commencé notre premier projet, ça concerne la restauration et la conservation de l'arganerie via la valorisation des produits. Alors, notre association œuvre à une vision, nous œuvrons à façonner un avenir décent pour les populations rurales locales, une mission sociale, une société équitable, un environnement sain et une économie circulaire et une biodiversité valorisée. Nos valeurs sont l'équité, l'autonomisation, la durabilité, la résilience, l'engagement et la préservation et la valorisation. Alors, concernant nos réalisations, donc, la première, c'était la mise en place de la chaîne de valeur Wildergain en initiant la première coopérative en 1996. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé sur d'autres activités génératrices de revenus. Tout à l'heure, j'entendais avec beaucoup de plaisir tout ce qui a été dit sur les oasis. Donc, on a aussi travaillé de la même manière que Wildergain, le henna, qui est actuellement en train d'être exporté et en respectant la Convention sur la diversité biologique. Donc, à travers nos projets, nous tenons beaucoup à l'autonomisation de la femme rurale. Pour cela, nous avons mené plusieurs formations avec des outils qui sont maintenant reconnus par l'UNESCO, notamment notre DVD en langue amazigh. Nous avons réhabilité l'arganerie. Je vous montrerai rapidement quelques exemples. Nous avons beaucoup œuvré pour que l'huile d'argan soit reconnue en tant qu'indication géographique protégée afin d'éviter quelques usurpations. Et nous avons mené quelques cas pilotes d'APA, d'accès et de partage des avantages avec des partenaires, bien sûr. Et nous faisons de la recherche scientifique. Par exemple, pour ce qui concerne l'huile d'argan, nous avons mené des études cliniques pour prouver l'activité et la promotion de l'huile d'argan pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Nous avons mis en place deux projets de tourisme durable, l'un à Brachois, à 50 km de Rabat, et un autre qui est en voie d'être fini, c'est la route de Mzguina. Et nous avons démarré les forêts nourricières en 2017 et nous avons atteint jusqu'à présent 100 000 arbres en mars 2021. Nous menons aussi des activités One Health parce qu'on ne peut pas valoriser un écosystème et valoriser l'homme sans oublier l'animal. Et la pandémie que nous vivons actuellement est un exemple One Health exact, hein, puisqu'il y a des maladies, des zoonoses qui passent de l'animal à l'homme. Depuis 2 ans, nous travaillons aussi pour les jeunes filles afin qu'elles continuent plutôt leurs études, donc par un mouvement qui s'appelle Inspiring Girls. Pour cela, nous amenons
des femmes modèles qui viennent parler à ces jeunes filles et faire du speed mentoring. Voilà un petit peu ce que fait notre réalisation, notre association de Beta. Alors, les forêts nourricières, c'était à la demande des personnes avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup de communautés locales. J'étais présidente de Slow Food Maroc, que j'ai mis en place, fondatrice même de Slow Food Maroc. Et de ce fait-là, je travaillais avec beaucoup de petits producteurs. Et donc, dans ces forêts nourricières, il n'y a pas que des arbres, mais donc il y a des arbres fruitiers, mais on met aussi un peu de maraîchage et de plantes aromatiques et médicinales. Tout ça avec le concept agroécologie et permaculture. Alors où est-ce que nous plantons nos arbres? Ben, ça dépend donc des demandes. Il y en a qui ont des fermes déjà qui sont conduites en bio. Et dans ce cas-là, nous réservons ces fermes pour des team building parce que nous sommes très sollicités par un certain nombre de sociétés qui veulent faire un team building pour leurs collaborateurs. Donc ils nous contactent, ils nous organisons une journée qui démarre par un petit déjeuner, une plantation d'arbres fruitiers, et ensuite un repas. Et nous intégrons bien sûr, voilà. Et généralement, dans ce quand il y a un team building, nous finissons toujours la plantation par une petite séance de yoga. Alors, en mars 2021, nous avons planté notre 100 millième arbre à Anif. Donc, on travaille beaucoup dans les oasis, comme j'ai dit. Et je serais vraiment ravie de travailler avec le projet Oasil parce que nous intéressons pas seulement aux palmiers, mais également à tout ce qui peut pousser en dessous. Nous avons fait nos recherches sur le cumin, par exemple, l'aromate, l'épice, qui est très, très intéressant. Il y a des choses à faire. Sur le cumin Sophie, d'où nous avons isolé de nouvelles substances naturelles en recherche scientifique. Et pour le palmier dattier, donc vous voyez un petit peu sur la photo, le 100 millième arbre, nous avons choisi exprès cet écosystème. Alors, sur la photo en haut à droite, vous voyez comment il est vraiment un endroit désertique. Et nous, si vous voyez en bas, ça, c'est des palmiers que nous avons mis en place. Ça fait à peine 2 ans. Et vous voyez comment ils ont déjà poussé. Alors, ces palmiers dattiers, nous utilisons des plants qui sont produits selon un savoir-faire des populations locales, parce qu'ils enlèvent les rejets et ils les replantent. Alors, d'après eux, moi, je respecte un petit peu le savoir-faire des populations locales, d'après eux, ce genre de plant est très, très bien adapté aux conditions pédoclimatiques de la région. Et quand vous voyez l'exemple, vraiment, au bout de 2 ans, on a déjà des plants de ce genre. Donc, voilà un petit peu où nous avons planté en 2021, hein, donc pratiquement partout au Maroc, hein, aussi bien en montagne qu'en plaine et dans différentes régions du Maroc. Nous ambitionnons de planter en 2021-2022 100 000 arbres fruitiers dans toutes les régions du Maroc. Et il va sans dire que les bénéfices générés par ces 100 000 arbres fruitiers sont d'abord, pour les 100 000 arbres que nous projetons de faire en 2021-2022, sont d'abord 15 000 tonnes de CO2 qui vont être stockées. Donc, le rôle des arbres, notamment en ce qui concerne la séquestration de carbone, mais également protéger les animaux, là, 300 000 abris pour animaux qui vont être créés, 400 000 mois d'oxygène qui vont être générés. Il ne faut pas oublier non plus oublier la fonction d'oxygène des arbres et également 100 000 heures de travail. Donc, nous croyons fort que la forêt est la meilleure solution pour le climat et la biodiversité. Alors, nous avons célébré avec nos planteurs. Alors, nous travaillons dans 45 localités, dans 45 communes, dans,
qui sont situés dans 21 provinces au Maroc. Et bien sûr, tous ensemble, on a célébré la Journée mondiale de l'environnement cette année-là, pendant le week-end dernier, le 5 et le 6. Donc, nos planteurs ont réalisé de la sensibilisation des écoliers et des collégiens à la protection de l'environnement. Ils ont fait des tailles des arbres, du paillage, des plantations, du team building, de l'arrosage. On les a laissé faire ce qu'ils souhaitent. Je pense que je n'ai pas pris la bonne présentation et j'en suis vraiment désolée parce que je voulais dire aussi que nos arbres fruitiers peuvent être utilisés aussi bien comme au bord des champs. Et là, on a planté pour clôturer les champs des oignons. Et on les utilise aussi pour en montagne. Et là, en montagne, nous avons choisi le rucher, le Inzalki, où se trouve le rucher traditionnel, le plus grand rucher traditionnel du monde. Nous avons planté nos arbres, les caroubiers et les oliviers. Nous travaillons aussi avec SOS Village, hein, où nous leur mettons des arbres fruitiers pour aider un petit peu aux enfants de SOS Village. Et nous travaillons aussi également dans les écoles, parce que ça fait partie de nos projets de sensibiliser les jeunes à protéger les arbres et à les connaître, à expliquer un peu le rôle qu'ils jouent dans la protection de l'environnement. Et donc là, aussi bien à Tata qu'à Skoura, on a choisi de travailler avec des écoles. Pour ce qui concerne le pourcentage de réussite, parce que nous évaluons nos plantations pratiquement chaque année, nous sommes actuellement à plus que 95% de pourcentage de réussite des arbres, et il y en a qui ont déjà commencé à produire des fruits et être commercialisés. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur nos réalisations concernant la forêt nourricière. Quand j'ai expliqué tout à l'heure le travail que nous avons mené sur l'Arganié, nous avons commencé par former les femmes à comment produire déjà un plan d'Arganié. D'accord. Donc c'était toute une séance de sensibilisation et de production de ces plans. Et une fois qu'on avait produit le plan de l'Arganié, ben on l'a mis dans les champs parce qu'on avait réussi à mettre en place un partenariat entre les coopératives que nous avons accompagnées et le Haut Commissariat aux eaux et forêts, hein, pour qu'elles plantent eux-mêmes des Arganiés. De la même manière, parce que nous tenons beaucoup à la formation des populations, communautés avec qui on travaille, avant de lancer les forêts nourricières, les arbres fruitiers, on amène d'abord tous les personnes qui ont été arrêtées dans notre programme pour suivre une formation d'agroécologie et de permaculture. Nous travaillons avec l'association Terre et Humanisme, et pendant toute cette période, une période de 5 jours, où ils apprennent d'abord qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, comment voir un petit peu les maladies des arbres, comment les prévenir et comment les traiter d'une façon biologique et comment s'occuper d'un champ aussi pour planter aussi bien des arbres, des maraîchages et des plantes aromatiques médicinales. Par exemple, à Inzalki, on a choisi de mettre avec les arbres des plantes aromatiques et médicinales ainsi que des plantes mellifères. Dans d'autres endroits, on a choisi de mettre du maraîchage. Et d'autres endroits, on a fait aussi, on a fait que des clôtures autour des plantes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je suis désolée, je me suis, c'est pas la bonne présentation que j'avais faite, que j'avais préparée. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Zoubida Charouf, pour cette présentation. En fait, je voudrais souligner l'effort des organisateurs parce que, en fait, ils sont convaincus que le travail de la restauration des écosystèmes
C'est l'œuvre à la fois des responsables gouvernementaux, des responsables étatiques, mais aussi de la société civile. Madame Charouf a montré bien le rôle de son association, à la fois dans tout ce qui est travaux sur l'Arganié, pour l'autonomisation des femmes rurales dans la région de l'Arganeré, avec le tourisme durable, tout ça, et ensuite avec les forêts nourricières qui sont composées d'arbres fruitiers, de cultures maraîchères et de plantes aromatiques, avec des activités importantes de plantation partout au Maroc et donc avec un impact positif sur la faune et la population locale. Et c'est une solution idéale pour les crises de la biodiversité. C'est important et certainement nous allons revenir à vous, Madame Charouf, pendant le panel. Et le dernier intervenant, c'est professeur Mohamed El-Ifriqi, une référence encore en matière d'écosystèmes de montagne et de biodiversité végétale, animale. Et il est professeur à l'Université Qadi Ayad. Il va nous parler de la restauration des écosystèmes montagneux dégradés. Quelle voie à suivre? Et c'est d'ailleurs une bonne question pour conclure notre webinaire avant de passer au panel. Question-réponse. À vous la parole, c'est Efrek. Merci, c'est Ahmed. Merci au département de l'environnement pour votre invitation pour participer à cette journée de célébration donc de la journée mondiale de l'environnement et pour débattre justement du thème qui est choisi pour cette année, pour la décennie à suivre, notamment la restauration des écosystèmes. Je vais partager avec vous alors, voilà. La restauration des écosystèmes montagneux au Maroc est une démarche qui nécessite des approches diversifiées, dans la mesure où les écosystèmes montagneux, et là, les communications qui ont précédé, ils ont bien présenté cette diversité. On a une diversité des écosystèmes et le Maroc, il est classé parmi les pays méditerranéens qui disposent de la plus grande diversité des écosystèmes. À titre d'exemple, prenez toute l'Europe méditerranéenne, les espèces forestières et les écosystèmes qui sont formés ne dépassent pas une dizaine. Au Maroc, on dispose actuellement au niveau de tous les écosystèmes terrestres, rien que terrestres, à quelque chose qui dépasse les 40 à 45 écosystèmes différents, dans la mesure où il y a une grande diversité des arbres forestiers, que ce soit des conifères ou des feuillus. Bien sûr, la diversité spécifique, on n'en revient pas. Le Maroc aussi, il est parmi les pays méditerranéens qui disposent de plus riches flores et faunes encore. On ne connaît pas encore toute la faune écosystèmes. Pardon, est-ce que vous pouvez augmenter le volume de votre micro pour que tout le monde vous entende? Maximum. Ah, c'est au maximum, d'accord. Alors, rapprochez le micro. Bien. J'ai les devant ma bouche. Là. Merci. Bien. Alors, cette diversité donc, nous donne et nous oblige à être plus vigilants pour sa conservation et lutter contre la dégradation. Je vais m'attarder dans cette communication sur tous aspects, pas ces aspects diversité, tout le monde en a parlé, on n'arrête pas de le répéter. Je vais plutôt parler de cette diversité culturelle qui est liée à nos écosystèmes. La diversité culturelle fait que l'homme, il n'est pas simplement usager, il n'est pas simplement un exploitant, un usufruitier de ses ressources, des écosystèmes, mais plutôt par son action, par son intervention, il est créateur de paysages. Et ceci nous amène à parler, comme a fait le collègue qui a parlé des oasis, à parler de ces écosystèmes en grande partie, qu'elles soient forestiers ou non, comme des systèmes plutôt écosociologiques. Des systèmes écosociologiques où vraiment l'empreinte de l'homme, et je vais vous donner des exemples sur ce plan, l'empreinte de l'homme est très importante. L'homme, il intervient en termes
de choix des espèces, avec des connaissances formidables en termes de biologie, en termes de besoins climatiques, en besoins des sols, en termes aussi d'intervention sur les écosystèmes, par des aménagements, par des choix d'espèces, etc. Donc, ça fait que quand on parle de dégradation, il faut parler aussi des problèmes sociaux qui sont en cours. Vous avez aussi une grande diversité des services écosystémiques, et là, il y a eu au moins deux communications qui ont soulevé ces questions. C'est que nos écosystèmes ne sont pas simplement des écosystèmes d'arbres forestiers avec des cortèges, mais plutôt étant donné que l'homme est là, étant donné que la particularité de système, leur structure, leur organisation, leur diversité, leur fonctionnement font que les services écosystémiques de différentes catégories sont encore là, et les communautés montagnardes marocaines, ils dépendent beaucoup de ces services en termes d'approvisionnement, en termes de lutte contre l'érosion, etc. Les enjeux, deuxième point, les enjeux sont très très forts. Et là, à mon avis, je vais focaliser mon intervention sur deux enjeux, des aléas ou bien des contraintes qui affectent ces écosystèmes. Tout d'abord, la dégradation. La dégradation est un constat, malheureusement, qui est dû à des modèles de gestion et d'exploitation qui ne sont plus compatibles avec la conservation de ces écosystèmes, et aussi lié à la démographie. Mais je donne aussi beaucoup d'importance au dysfonctionnement lié à l'érosion des savoirs traditionnels et aussi des modes, des organisations traditionnelles qui avaient en gestion ces espaces. Le fait de perdre ces organisations, de perdre ces savoirs qui permettent aux villageois de continuer à vivre dans des écosystèmes très contraignants, ils ont contribué à créer ces paysages et à contribuer à leur... je vous donne deux petits exemples. Le fait que ce sont des régions, par exemple, où il y a beaucoup de mobilité, de pâturage, cette mobilité, elle est conservatrice. L'absence de mobilité actuellement, par les phénomènes de transhumance, d'errance, etc., fait qu'il y a plus de pression maintenant sur certains écosystèmes. Beaucoup de zones de parcours qui étaient gérées justement par ces pratiques d'agdel, ces pratiques de circulation et de mobilité des troupeaux, avec des pâturages inscrits dans la temporalité aussi, entre l'hiver, le printemps, l'été, et vous avez des voies de transhumance, qui fait que le pâturage, il est diffus sur des espaces et des écosystèmes très diversifiés, et certains espaces sont conservés par la communauté locale. Donc ces pratiques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, les pratiques d'Ogden, les pratiques justement de la transhumance, de la mobilité, font que on constate des dégradations, malheureusement, liées justement à la disparition ou bien à l'érosion de ces institutions traditionnelles. Bien sûr, les lois modernes qui gèrent les espaces naturels, que ce soit la loi forestière, que ce soit les codes de parcours, etc., n'ont pas aidé justement à se tenir comme il faut ces organisations, et on a limité la population limitrophe de la forêt, par exemple, en simple usager avec des droits liés à certaines ressources qu'ils peuvent tirer par ce droit-là. L'érosion, la dégradation, il faut la prendre avec une approche qui essaie d'aller plus dans le fond des choses et comprendre. Je vais vous donner deux petits exemples, plus de trois, un troisième. Ceci est un paysage d'une exploitation dans le Haut Atlas central, dans la région d'Azilal. Et ce qu'on peut voir, d'abord, il y a une maison avec des arbres, ce sont des arbres forestiers, on voit que les arbres sont en bon état. En face aussi, vous avez un peuplement qui est formé de deux espèces, il y a du frêne, qui est une espèce endémique du Haut Atlas, et vous avez le chêne. Et vous avez des espaces qui sont labourés. Ce qu'on peut tirer comme information, c'est l'organisation et la répartition des pratiques, qu'elles soient agroforestières, dans notre cas, ou bien pastorales, et ils dépendent d'une intervention de l'homme qui est très forte, qui s'inscrit dans la diversité, donc ce n'est pas la même chose, une complémentarité en espace agricole,
céréaliculture et un espace forestier pourvoyeur de ressources ligneuses, fourragères, etc. Donc, il faut comprendre ça pour essayer d'évaluer la dégradation par la suite. La dégradation, ce n'est pas simplement une perte de biodiversité, ce n'est pas simplement une perte de ressources, une perte de productivité, mais plutôt aussi et surtout une perte de cette façon de gérer complémentaire. Eh bien, tous ces espaces qu'on voit devant nous, ce sont des forêts privées, ce sont des espaces forestiers, mais le législateur forestier, au moment de la délimitation, il les a laissés pour la population. Et la population ne coupe jamais les arbres, ils vont les exploiter, ils vont tirer un certain nombre de biens et de services sans jamais les couper. Donc la sylviculture, on peut en parler dans ce cas-là d'une sylviculture traditionnelle ou je dirais rurale. Alors dans notre jargon, on parle de forêt rurale justement, d'écosystème rural dans lequel l'homme n'est pas simplement un acteur qui regarde, qui voit et qui tire quelques profits, mais un acteur qui aménage, qui gère et qui répartit donc son usage sur ces espaces-là. Donc la dégradation, il faut qu'il prenne en compte ces espaces-là. Deuxième élément, cette photo, je la montre très souvent à mes étudiants et dans pratiquement beaucoup de communication parce qu'il illustre très bien cette vision du villageois pour les ressources naturelles. Ici, les arbres forestiers. C'est un turifère dans la région du Haut-Atlas central. C'est un arbre que beaucoup, et j'en fais partie, on nous a appris à l'université ou bien dans les instituts que c'est un arbre dégradé en candélabre. Et pourtant, c'est un arbre, quand on l'analyse de près, il est pourvoyeur de beaucoup de biens et services, beaucoup de poutres, beaucoup de perches pour les villageois. Et il y a du fourrage qui est coupé, donc c'est un arbre qui produit sans jamais être coupé. Et le villageois, c'est sa conception de la forêt, c'est sa conception de la foresterie. Donc il faut relativiser cette notion de dégradation, parce que quand on veut restaurer, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va restaurer par la suite. C'est la question que je me suis posée pour l'intitulé de cette communication. Donc ici, vous avez, alors je rigole avec mes étudiants et avec tous mes interlocuteurs, je dis, tiens, ici, c'est plutôt la forêt qui est sur l'arbre. Ce n'est pas l'arbre dans la forêt, c'est plutôt la forêt qui est sur l'arbre. Et c'est tout à fait le contraire de la foresterie moderne, institutionnelle, qui comprend lorsqu'on va exploiter, on coupe l'arbre en totalité, et que toute façon de toucher, de couper ou bien de façonner ces arbres, c'est de la dégradation. Alors dans notre jargon, quand on travaille sur ces façonnages, ce sont déjà des arbres taillés et on les appelle des arbres vivants culturellement modifiés. En anglais, c'est cultural modified living tree. Ce qui fait, ce sont des arbres qui sont vivants mais qui fournissent toujours des biens et des services. On ne peut pas parler de dégradation dans notre cas. Ce qui fait la notion de dégradation, il est très relatif. Il faut, en tant que scientifique, en tant que chercheur, qu'on écoute davantage la population locale au niveau de leurs soucis, au niveau de leurs besoins de gestion et d'aménagement. Et la restauration, très souvent, on l'entend dans nos expériences, malheureusement, au Maroc, comme des opérations d'exclusion de la population, de limitation des droits d'accès aux ressources, etc., et qui crée par la suite beaucoup de conflits. Bien, voilà. Donc, la restauration, je crois qu'il faut penser à cette notion de biens et de services. Quand on veut restaurer, on restaure la vocation des écosystèmes. On restaure leur diversité. On restaure les pratiques qui sont durables et les pratiques traditionnelles, que ce soit la gestion par l'Oudel, la gestion par la transhumance, à titre d'exemple, ce sont des pratiques durables. Mon troisième exemple, après la taille des arbres et la foresterie traditionnelle rurale, c'est de prendre l'exemple d'arganerie. L'arganerie, bien sûr, c'est une espèce, on est tous ravis qu'il y ait une journée, le 10 mai, qui a été décrétée par les Nations Unies comme journée mondiale de l'arganier. Mais quand on a inscrit les savoirs traditionnels et matériels autour de l'arganerie, on a inscrit au niveau de l'UNESCO, et ça c'était, j'estime, et on a fait tout le nécessaire auprès du ministère de la Culture,
pour justement prendre en compte, pas simplement le savoir des femmes pour produire l'huile d'argan, qui a marqué, et dont certains papiers que vous pouvez télécharger sur Internet, on parlait de l'huile qui cache la forêt. En fait, l'arganerie est légérée, c'est l'exemple type de forêt rurale dont on dispose au Maroc. Il est géré justement par des périodes d'exploitation qui sont particulières. Il y a des périodes de fermeture, d'agdel, lorsqu'il y a la fructification. Donc, cette caractéristique fait que l'homme, il est là. Et on façonne les arbres. Les arbres de l'arganerie ne sont pas naturels. Et toute la typologie qu'on a fait sur les arbres, il y a une grande diversité depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont cultivés soit dans les champs, soit dans la forêt, soit dans les zones limitrophes. On leur donne une forme. Soit on facilite l'accès aux chèvres pour aller pâturer sur l'arbre, soit on l'interdit par des pierres ou bien on coupe des branches. Ce qui fait le façonnage des arbres fait que les arganés, dans leur grande diversité qu'on a, ce sont des arbres culturellement modifiés. Et on a une forêt rurale et il faut la prendre en considération tant que telle, dans son fonctionnement, dans sa diversité, dans sa façon d'être gérée par les villageois, comme un espace culturel de première importance. Et au niveau de ce qu'on va inscrire comme patrimoine au niveau de l'UNESCO, il faut inscrire la totalité de tous les savoirs de gestion, de tous les savoirs d'accès à cette ressource, de tous les savoirs autour de façonnage, de tous les savoirs qui ont permis à cette population de s'adapter au changement climatique, de s'adapter aux risques naturels, de s'adapter aux aléas divers qu'on connaît. Alors, les voies de restauration, je vais pas être très long, c'est que, là je reviens au professeur d'université pour faire la différence parce qu'on mélange les choses, entre restauration et réhabilitation. Quand on restaure, c'est une opération très lourde qui fait qu'on doit ramener un écosystème à son état qu'on appelle l'état de référence, c'est-à-dire l'écosystème tel qu'on conçoit qu'il a été avant la pression de l'homme, alors avant qu'il soit dégradé. Avec des critères, bien sûr, on doit jouer sur le physique, on doit jouer sur les paramètres abiotiques, on doit jouer sur le biologique. Mais ce sont des opérations, des fois, très lourdes et qui ne tiennent pas compte, justement, de toutes les mutations environnementales. On est dans une crise de changement climatique, on est dans une crise de mutations socio-écologiques. Dans beaucoup de régions du Maroc, l'homme n'est pas le facteur qui garde la diversité. Il y a de la déprise agricole. On vit actuellement dans la phase de la première moitié du siècle dernier en Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations et ça commence à apparaître, surtout dans l'anti-atlas. Il y a beaucoup de faune qui revient, il y a beaucoup de flore sauvage. Et là, qu'est-ce qu'on va restaurer quand on va restaurer? On doit plutôt penser à une réhabilitation. Une réhabilitation en termes de définition, c'est une remise sur une trajectoire qui va nous amener à un état d'équilibre, pas forcément l'état initial. Et ça, ça fait partie de ce que le scientifique, de ce que le technicien doit prendre comme élément fondateur lorsqu'il va mettre un programme de restauration. Il faut choisir le biologique, il faut choisir les possibilités, il faut améliorer les facteurs abiotiques, il faut améliorer le bilan hydrique, par exemple, il faut faciliter les espèces facilitatrices de la germination ou bien la régénération d'autres choses. Donc, il faut descendre à ce niveau-là pour vraiment garantir. Et là, on s'inscrit totalement dans les stratégies des solutions basées sur la nature. Parce qu'on initie, on fait le démarrage, on met sur une voie et on laisse la nature faire aboutir. Et la nature ne se trompe jamais en termes de ces opérations. Donc la réhabilitation est plus une approche à prendre en compte et qui permet justement de prendre en considération et la diversité et les services écosystémiques et bien sûr tous les aléas et je vais utiliser le terme et le jargon utilisé dans le changement climatique et le forçage que le milieu va subir, forçage climatique, forçage d'érosion des sols, forçage de ressources intéressantes pour la population ou pas. Et là je rejoins et j'adhère complètement à ce qu'a dit Madame Charouf, il faut que la forêt, qu'elle soit nourricière, qu'elle soit pourvoyeur de services, il faut qu'elle soit pourvoyeur de biens pour la population locale. Et bien sûr, il faut qu'elle puisse être valorisée par et pour les populations locales. Donc, dans notre rôle, pour répondre à la question, il faut plus être un accompagnateur de cette dynamique. Il faut être un accompagnateur, un conseiller, je dirais, à l'écosystème pour qu'il aboutisse à un stade où il y a une meilleure productivité et un meilleur, de meilleurs services et
pour la population locale en premier lieu. Il faut abandonner toute l'approche techniciste, à mon avis, qui est très, quand il ne prend pas le social en compte. Il faut maintenant parler justement de cette approche sociale de la restauration. L'approche sociale de la restauration, il fait que on prend en compte la dimension. Je suis convaincu que peut-être l'acteur numéro un de dégradation, c'est l'homme, mais c'est aussi la solution. Et c'est en premier lieu lui-même la solution. Et ça, ça a été démontré par toutes les études socio-écologiques de la fin du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut avoir une approche d'équilibre entre des choix de semences, par exemple, pour restaurer, des choix d'aménagement physique sur les bassins versants, tout en gardant justement cette approche de diversification des méthodes. Mais l'homme doit entretenir, doit s'approprier ces techniques pour les durabiliser par la suite. Donc voilà, je n'ai pas voulu être très long parce que beaucoup de choses ont été dites par mes collègues qui ont précédé. Et donc, prenez cette communication plutôt comme un plaidoyer pour des interventions de restauration plus respectueuses de l'environnement et qui s'inscrivent plus dans une approche de réhabilitation que de restauration au sens strict, très lourde et très coûteuse, justement, et qui ne sont pas garanties. Dans beaucoup de cas, on voit beaucoup de reboisement avec des échecs parce que justement, on n'a pas pris en compte facilement les aléas et les contraintes que connaît le milieu. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et merci de votre attention. Merci beaucoup, c'est Efraqi, pour cette intervention qui vient conclure la liste des intervenants. Et vraiment, M. Fraquet a mis le doigt sur un peu l'importance de l'impact humain sur les écosystèmes et également des problèmes sociaux qui découlent de la dégradation, de leur dégradation, mais aussi l'idée que, en fait, les écosystèmes, il faudrait une approche éco-sociologique. Au lieu de parler d'écosystème au sens écologique, mais plutôt de système éco-sociologique. Et ça, c'est vraiment une idée conceptuelle forte, importante, et qui peut guider toute la suite des actions avec, bien sûr, plutôt mettre l'accent, comme il l'a souligné, sur la réhabilitation au sens vraiment étymologique, en tenant compte, bien sûr, du facteur humain. J'ai bien souligné l'appellation arbre vivant culturellement modifié. Ça rappelle les organismes génétiquement modifiés, mais là, ce sont culturellement modifiés. C'est vraiment une belle appellation. C'est à mettre dans les approches conceptuelles. C'est très important. Sans tarder, nous allons passer. Le temps passe très vite et nous n'avons pas toute l'après-midi. Nous avons encore une trentaine de minutes, malheureusement, et les questions sont nombreuses. Nous allons maintenant ouvrir l'espace aux questions et donner la parole aux participants. Après cette riche série de présentations, bien sûr, il y a un certain nombre de questions qui ont été inscrites sur le chat. Je vais donc les aborder dans l'ordre en reprenant deux à trois questions avant de donner la parole aux intervenants. Mais si d'autres participants veulent poser des questions de vive voix, merci d'utiliser l'option 20, lever la main sur Zoom et nous vous donnerons la parole par la suite. Nous essaierons d'aborder le maximum de questions dans le court temps qui nous reste et je demande à tous les participants et aux intervenants de bien vouloir rester bref dans leurs interventions. Si vous voulez bien, les collègues du panel des intervenants, si vous voulez activer vos micros et éventuellement vos caméras. Alors, en attendant, je ne vois pas de demande de parole pour l'instant, mais dans la série des questions, il y a une question qui est revenue à plusieurs fois dans de nombreuses fois. Je pense que là, je voudrais inviter tous les panélistes à donner leur avis. C'était question de M. Benriane. Étant donné la large variété d'écosystèmes importants au Maroc et le nombre élevé de départements ministériels, d'agences et la multiplicité d'acteurs intervenant dans la gestion des écosystèmes et ressources naturelles, quelles mesures sont prises par les décideurs pour une gestion plus coordonnée de nos écosystèmes et d'une meilleure gouvernance? Alors, le mot-clé,
meilleure gouvernance de la biodiversité en général. Ce mot-clé, je l'ai vu dans beaucoup de présentations. Et la question, c'est comment améliorer la gouvernance de la biodiversité dans notre cas. Alors, je ne sais pas dans quel ordre l'intervenant, le panéliste qui va intervenir, il n'a qu'à activer son micro. Et peut-être on peut commencer par M. Khalid Souté ou merci, Monsieur Khalid Souté. Professeur Birouk, je tiens aussi à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité et la richesse des informations qui sont partagées. Je remercie aussi donc les participants pour les questions soulevées. Donc, par rapport à cette question précise concernant le renforcement de la coordination et la gouvernance pour la gestion des écosystèmes, donc c'est vrai, donc il y a un ensemble de départements ministériels donc qui gèrent ces espaces-là, mais quand même il y a des instances qui ont été mises en place. Si je prends par exemple le cas des forêts, donc il y a le Conseil national des forêts, donc qui constitue un organe d'orientation de la politique forestière et dans lequel siègent l'ensemble des partenaires. Et ça permet vraiment, ça constitue une instance du dialogue, de rapprochement et de synergie. Il y a également donc par rapport à la biodiversité, donc je parle sous le contrôle de mon collègue Simid Bouhi, il y a la Commission climat et biodiversité aussi qui constitue donc une instance importante dans laquelle, au niveau de laquelle siègent l'ensemble des partenaires pour coordonner toutes ces questions-là. Et là, donc, lorsqu'on parle de la synergie et l'intersectorialité, donc, c'est vrai, en amont, il y a des rapprochements, mais au terrain, donc, au niveau du terrain, au niveau des régionales, provinciales, donc, si les projets territoriaux, là aussi, donc, les entités, donc, déconcentrées, donc, coordonnent ensemble pour vraiment donc mettre en œuvre de façon cohérente l'ensemble des programmes. Donc c'est vrai, donc il y a des voies d'amélioration qui peuvent être envisageables et à ce niveau-là, donc je laisserai mon collègue Simid Bouhi de continuer sur cet aspect-là. Merci. Monsieur Mustafa. Oui, je suis tout à fait avec Monsieur Chaffé, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, il y a des agences, il y a ce qui sont créées pour chaque écosystème, agence de montagne, agence de l'Arganier, des oasis. Il y a pas mal d'instances qui sont créées pour coordonner la protection des écosystèmes. Aussi, il y a la création, l'institutionnalisation du Comité national du changement climatique et de la diversité biologique, qui est une comité qui rassemble tous les départements ministériels, les instituts de recherche, même la société civile, et qui, dans lequel il examine pas mal de sujets et valide. Mais également, il ne faut pas oublier que si la SNDD il est dirigée par le chef de gouvernement, et donc il y a par tous les ministères qui siègent et donnent leur avis sur des questions importantes et sur la mise en œuvre des actions, des mesures dans cette stratégie et qui renferme pas mal d'action sur la réhabilitation des écosystèmes vulnérables et sensibles. Voilà. Merci, monsieur de Bouhi. Je vois madame Charouf qui a activé son micro. Moi, je préfère que les institutionnels là, parlent de la gouvernance, parce que c'est vraiment au niveau institutionnel que ça se passe. D'accord. Je ne vois pas d'autres participants parmi les intervenants. Il y avait une autre question, je pense qu'elle était adressée à M. Chapé par Mme Khadija Houdi. Dans quelle mesure l'agence contribuera à la préservation de la forêt et des ressources naturelles? C'est vraiment lié à ce qui a été dit. Mais... D'accord. Donc, comme je l'avais présenté, donc, la stratégie Vaurie du Maroc, qui s'est appuyée sur un diagnostic profond, donc, a identifié un certain levier et un ensemble d'axes sur lesquels on intervient. Donc, parmi lesquels il y a l'approche participative, il y a l'animation, il y a l'amélioration de la valeur marchande de la forêt, la création d'emplois. Et je pense, là, donc, je profite de l'occasion pour dire que les enjeux, les aspects qui ont été soulevés par les intervenants, notamment professeur Ifriqi, professeur Charouf, par rapport à la restauration, aux aspects sociaux également, à la valorisation,
je pense qu'ils sont pleinement pris en charge au niveau de cette nouvelle stratégie. Donc, la dimension sociale, la dimension animation sociale et approche participative constituent, je dirais, donc, la colonne vertébrale de la stratégie. Donc, par rapport à toujours, donc, il y a un axe dédié à la structuration, à la réforme institutionnelle. Donc, la stratégie avait, le diagnostic avait proposé, avait recommandé à ce que les départements des eaux-et-forêts, donc, évoluent en agence, en établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Là, il faut souligner que le diagnostic, donc, il y avait un benchmark qui a été réalisé à l'international. Donc, nous avions vu toutes les expériences en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, voir quel est le mode qui est approprié pour la gestion forestière. Donc, est-ce qu'un établissement public, société ou bien ministère? Donc, nous avions vu, et tout en prenant en considération la spécificité de notre pays. Donc, nous avions vu que ce mode-là, ce schéma de gouvernance, ce schéma institutionnel, constitue un atout. Pourquoi? Si vous voyez donc les ambitions affichées au niveau de la stratégie, donc le passage de 50 000 à 100 000 hectares à reboiser, l'autodréussite, créer un nouveau corps d'animateurs, la valorisation, ça nécessite quand même vraiment une souplesse en termes de gestion. Ça nécessite aussi donc une amélioration des finances qui sont destinées à l'institution. Et l'agence, donc, une fois, donc, il sera responsable de son équilibre budgétaire. Donc, il va tendre vers la performance, vers également donc, l'efficacité. C'est comme un mode de gestion donc, au résultat. Et également, par rapport à la valorisation écotouristique, donc, il y a des activités qui devraient être entreprises pour mieux valoriser ces espaces-là. Donc, l'organisation institutionnelle et établissement public donc, se prête bel et bien pour ces aspects. Il y a aussi juste un point important aussi que par rapport au secteur forestier, donc là, les travaux de reboisement, les travaux biologiques, parfois, donc il y a un calendrier biologique à suivre. Dans l'année, on suit 3 années, l'année N-1, N-2 et N+1 par rapport aux activités de reboisement, production de plants. Donc, la souplesse opérationnelle, donc, évolue vers un établissement public, donc vous aurez votre procédure propre à la dépense publique, bien sûr, qui seront contrôlées et tout ça. Donc, ça va instaurer une souplesse contrôlée et qui est orientée vers la performance. Donc, en gros, donc, je pense que c'est ça vraiment donc, l'apport qui sera produit donc, à travers ce schéma institutionnel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants par rapport à cette question globale de gouvernance? Sinon, on peut poursuivre dans la liste des questions du chat. Oui, juste une petite remarque à propos donc, de la représentativité des acteurs locaux, on appelle les communautés de base. Très souvent, dans toutes ces structures qui sont créées ou bien qui sont mises en place dans les différents programmes et les stratégies, ces populations de base sont très souvent mal représentées ou bien minorées. Je dis bien le mot minoré, c'est-à-dire que leur importance elle est très réduite. Et pourtant, ce sont des acteurs fondamentaux dans justement la gestion de ces espaces. Je vous donne un petit exemple, très, très simple. Prenez des communautés villageoises limitrophes des écosystèmes montagnards et qui construisent des terrasses. Ce sont des terrasses d'aménagement pour faire de l'agriculture, pour maîtriser l'eau, pour l'irrigation. Mais en même temps, ces communautés jouent un rôle très important pour lutter contre l'érosion, pour limiter les envasements dans les barrages. Et ça fait quand même un travail énorme sur lequel ils ne sont pas rémunérés d'aucune façon. Et pourtant, c'est une intervention très efficace. Ça crée des dysfonctionnements en termes d'échanges entre Laval et Lamont, par exemple, d'échanges autour du rôle joué par chaque acteur. Vous avez là des exemples qui contribuent à la conservation de la biodiversité. Donc, ils sont dans la stratégie de la biodiversité. Ils ne sont pas représentés. Ils sont dans la lutte contre l'érosion et l'aménagement des bassins versants. Ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas de retour. L'eau, par exemple, dans un barrage, il va irriguer les plaines en bas, puis après eux qui ont fait tout l'effort. Et là, ces populations, ils resteront toujours en pression, ils contribueront toujours à la dégradation de l'érosion parce qu'il ne manque justement de ressources. Il n'y a pas de... Alors, la question de gouvernance,
et peut résoudre ce genre de problème lorsque vraiment on va avoir des structures qui prennent en charge et le management et la gestion de ce patrimoine, de cette intervention, qu'elle soit de l'État ou des ONG ou bien des institutions traditionnelles locales, pour un but commun. On est tous et nous ouvrons tous pour la lutte contre l'érosion, la dégradation. Mais vous en avez de ceux qui interviennent, qui peuvent en bénéficier, vous en avez ceux qui agissent, qui font des efforts. Et la pratique de la goudelle, la fermeture à une certaine période de l'année, ça permet un renouvellement de tout le stock de graines dans une prairie ou bien dans une forêt, et ça permet de conserver la biodiversité. Que gagnent ces gens-là en faisant des actions de protection de la biodiversité? Tout simplement parce que leurs institutions ne sont pas reconnues, ils ne sont pas représentés dans les institutions dirigeantes. Reprenez les parcs nationaux, vous avez des comités scientifiques, on n'avait pas de comité des villageois limitrophes d'un parc, par exemple. Voilà, j'ai pour insister sur cet aspect qui est très important, mon avis. Merci, c'est Fraqi, le message est bien noté. Madame Charouf a levé la main. Sibirouk, un apport, donc merci, donc professeur Birouk. Donc je suis d'avis donc avec le professeur monsieur Mohamed Afriqi. Donc c'est effectivement la gouvernance, bien évidemment au niveau local, constitue donc la pierre angulaire de tout programme de développement, y compris donc les programmes de développement forestier. Et c'est pour cela, donc si vous voyez au niveau de cette stratégie, donc l'approche participative et la gouvernance locale constituent vraiment les piliers de la stratégie. Donc les moteurs, les trois moteurs, il y a mieux agir au niveau local, mieux intégrer la population, les usagers, et mieux réussir le reboisement, les trois M. Et on s'est dit que c'est vrai, le département des eaux et forêts avait des expériences pilotes par rapport à l'intégration de la population, mais là, il y a un paradigme, il y a un changement de paradigme, parce que donc, nous allons donner une assise juridique à cette approche participative. Des instances locales seront créées, des organismes de développement forestier au niveau des communes, et qui vont englober la population usagère, les usagers. Ce n'est pas les ayants droit, c'est plus que les ayants droit. Les coopératives, les associations, en se servant des unités socio-territoriales. Donc, et dans l'objectif vraiment donc, d'homogénéiser notre vision pour l'intérêt, pour le bien du territoire. Et si vous avez donc, vu parmi les orientations, la cinquième orientation, c'est un territoire de développement. C'est un territoire dans lequel l'ensemble des acteurs doivent s'asseoir, et pour le faire, ils doivent disposer de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est ces organismes de développement forestier, et également donc l'agence donc sera facilitatrice. Il y a l'animation sociale tournée autour. Donc on va s'asseoir autour de la table pour identifier l'objectif commun et tenir en compte les contraintes de tout le monde. Et bien évidemment, la solidarité à Mont-Aval dont vous avez parlé, donc bien évidemment, ça va donc faire l'objet aussi de discussions. Merci. Merci. Je pour ces additions, ces compléments. Madame Charouf, vous avez levé la main. Activez votre micro, s'il vous plaît. En fait, oui. En fait, c'est une question qui a été posée par la librairienne et que j'aimerais bien la poser moi aussi. Lui, ce qu'il pose comme question, c'est est-ce que la nouvelle agence des eaux et forêts aura la responsabilité d'octroyer des permis d'accès aux ressources génétiques forestières dans le cadre d'accords APA, accès et partage des avantages relatifs au protocole de Nagoya, avec des utilisateurs, chercheurs au niveau national et étranger. Et donc, effectivement, comme je travaille aussi sur la valorisation de la biodiversité, et moi, je trouve malheureux que que la loi n'est pas encore passée, ni même la ratification n'est pas arrivée à la CBD, au secrétariat de la CBD. C'est vraiment un manque à gagner pour le Maroc, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui veulent profiter un petit peu de la proximité du pays d'Europe pour utiliser nos ressources biologiques et qui sont tout à fait d'accord pour respecter le protocole de Nagoya. Et malheureusement, on n'a toujours pas cette loi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, en attendant que la loi soit promulguée, de trouver une solution intermédiaire? Parce que là, vous venez de dire il y a une agence des eaux et forêts. Pourquoi ne pas cette agence commence déjà à attribuer cet accès à la ressource
Pourquoi? Enfin, c'est ça, en attendant que la loi. Ma question va aussi à M. Medbouy. Je sais que vous travaillez beaucoup, beaucoup dans cette, sur cet aspect-là. Et bon, malheureusement, on en est là. Hein. Bon, il y a bien sûr des problèmes au niveau de juridique, mais que faut-il faire en attendant que la loi soit promulguée? Merci. Alors, donc, si vous le permettez, donc, je vais tenter de répondre. Donc, au vu de la stratégie sur le plan macro, donc tous nos programmes peuvent être appréciés au final à travers trois indicateurs macro. Le premier indicateur, c'est que la superficie forestière, soit elle se développe, soit elle, au moins elle reste stable. Deuxième indicateur, c'est que le secteur doit contribuer à l'économie nationale. Troisième indicateur, c'est que les conditions de vie de population doivent s'améliorer. Et c'est pour cela, il y a plusieurs activités, plusieurs projets, donc pour mieux intégrer la population et développer les filières, notamment par rapport aux produits forestiers non ligneux. Et là, donc nous, on est conscients. Donc la moitié de la population rurale au Maroc vit aux dépens de la forêt et sont cantonnés au niveau des zones montagneuses, des zones vulnérables et fragiles. Et là, donc, la question du développement, elle est de taille. Et là, donc, nos projets doivent être non seulement écologiques, environnementaux, mais aussi économiques. Et là, la valeur ajoutée de tout programme d'investissement qui fait appel à la ressource naturelle, la grande partie doit rester au niveau local. Si on voudrait vraiment développer donc, cette catégorie vulnérable et également donc, minimiser son impact sur la ressource naturelle. Et le protocole de Nagoya, vraiment, elle est très importante dans cet aspect, donc à travers le partage des avantages. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une ressource naturelle, donc la communauté ou bien qui a été utilisée dans un circuit industrialisé, une partie doit être rétribuée donc, à l'origine. Mais là, est-ce que l'agence va octroyer les permis? Moi, je pose la question. J'allais vous poser la question parce que je sais que la loi 57-17, elle a été mise sur le circuit d'approbation il y a longtemps, mais elle n'est pas encore approuvée. Donc, l'agence ne pourra pas vraiment donc, avoir d'émissions alors que le cadre légal n'est pas encore adopté. Sinon, par d'autre part, l'agence, il aura toutes les missions qui existaient auparavant pour le département des eaux et forêts, pour gérer convenablement les ressources forestières, alfatières, la faune, les parcs, X et tout. Mais donc, le moment venu, lorsqu'on aura le cadre légal qui décrit précisément les procédures et les aspects réglementaires, bien évidemment, l'agence, donc, selon ses prérogatives, donc, il va intervenir. Donc, puisqu'il gère donc, la biodiversité, donc, notamment forestière, donc, lorsqu'ils sont concernés par le protocole de Nagoya, il y aura une intervention. Mais de quelle manière? Le moment venu, on verra de quelle manière. Mais au stade actuel, donc, en l'absence de cette loi, donc, on ne peut pas se prononcer. Donc, voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, M. Chalqi. M. Dvouhi a certainement des choses à dire par rapport à cette question. Oui, peut-être. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qu'a dit M. Chalqi, il avait raison, parce qu'il faut attendre l'adoption de la loi. Déjà, le projet de loi indique que les gestionnaires des ressources, c'est eux qui vont donner l'accès et c'est eux qui vont accorder le permis. Donc, en attendant que la loi va adopter, c'est certainement que l'agence va, c'est elle qui va donner, c'est-à-dire l'accès et le permis. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Alors, parmi les autres questions, nous avons pour donner la parole à d'autres personnes, il y a une question qui a été posée par Madame Hassouni. Pour Madame Hassouni, quelle stratégie d'augmenter les aires marines protégées qui restent assez limitées par rapport aux objectifs prévus par les ODD? Question de Madame Khadija Al-Houdi du Haut Commissariat au Plan. Madame Hassouni, est-ce que vous êtes voilà. Merci, voilà. M. Bérouk. Merci, Madame Soudi, pour cette question. Comme j'ai dit dans ma présentation, donc la stratégie nationale des aires marines protégées a été développée dans le cadre d'une coopération maroco-américaine MCC en 2011.
Sauf que durant cette période, nous avions eu un problème d'applicabilité juridique. Donc, il y avait les textes ou bien les textes d'application, notamment le décret d'application de la loi sur les aires marines protégées de 2010, a tardé de sortir. Et il vient d'être publié, excusez-moi, il vient d'être publié le 15 avril 2021. Ce décret a tardé d'être publié suite aux différents intervenants dans ce domaine, notamment les départements d'équipement, l'intérieur, les localités locales, les eaux et forêts et l'environnement. Donc, il y avait plusieurs partenaires et ça a pris 11 ans pour sortir enfin. Ceci n'a pas empêché notre département de sortir les aires marines protégées aux fins de pêche, qui étaient des aires pilotes, des aires marines pilotes dans le cadre de cette coopération, dans lesquelles nous avons testé, excusez-moi, dans lesquelles nous avons testé l'approche de création des aires marines protégées. Parce que quand même, c'est une étape, et c'est une... Je m'excuse. Oui, Madame Hassouni, on a bien reçu le message. On vous laisse reprendre votre souffle. Mais je peux enchaîner avec peut-être une dernière question parce qu'il est déjà 14h29. Et une question qui était posée à tout le monde d'ailleurs. L'idée est que l'ouverture des parcs nationaux à l'exploitation touristique est une arme à double tranchant. Et comment s'assurer de limiter les effets néfastes de cette orientation? Est-ce qu'il y a des seuils de non-dépassement? Je pense que les parcs, tous les parcs, je pense que beaucoup de personnes vont répondre, M. Chalqui en premier. Merci infiniment, professeur Birouk. Et effectivement, donc, comme je l'avais dit, donc, le diagnostic qui a été réalisé donc, a fait ressortir qu'il n'y a pas une offre écotouristique bien faite, bien élaborée, et que donc, les potentialités sont sous-valorisées. Et c'est pour cela qu'il y aura une société d'État qui va être dédiée spécifiquement aux parcs nationaux, dont l'objectif, donc, non seulement de développer l'activité écotouristique, mais également de conserver la biodiversité. Ça veut dire, donc, les parcs nationaux ont été créés, il y a plusieurs objectifs, mais l'objectif principal, c'est la conservation et le développement de la biodiversité. Chaque parc national aura son plan de développement écotouristique qui définit donc les curiosités à voir, donc le balisage écotouristique, et même les investissements qui seront faits de façon chirurgicale, bien étudiés, avec une radioscopie fine. Donc, on ne doit pas toucher vraiment la zone cœur. Et tout ça vraiment est contrôlé. Donc, on a commencé par le pilote au niveau du parc d'Ifrane. Il y a plusieurs acteurs qui y travaillent. Et bien évidemment, donc, avec l'activité touristique, on voudrait valoriser le parc, on voudrait créer de la valeur pour la population et pour aussi le pays, et faire découvrir nos ressources et améliorer les vies environnementales. Mais en aucun cas, on ne va pas se permettre à ce que cette activité donc, altère ou bien anéantit l'objectif principal. Bien évidemment, il y aura un balisage touristique bien précis, il y aura des seuils, il y aura des ajustements, il y aura tout ce qu'il faut pour maîtriser tout cela. Merci beaucoup, M. Chalqui. Le temps presse et malheureusement, il y a encore quelques questions, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir lors de d'autres réunions ou d'autres occasions. Vraiment, c'était une expérience très riche cette journée avec la qualité des intervenants. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de discussions. Vraiment, je voudrais remercier pour ma part en tant qu'animateur ou modérateur, tous les intervenants qui ont animé, bien sûr, la célébration de cette journée. Évidemment, la journée était construite autour de ce qui a été introduit par M. le secrétaire général et les allocutions de Mme Sylvia Lopez-Yacra, coordinatrice résidente des Nations Unies, et de Mme Juliette Biao,
directrice du bureau régional pour l'Afrique du PNUE. Bien sûr, elles ont montré l'importance des écosystèmes terrestres et marins, ainsi que leur biodiversité pour la croissance économique, et puis surtout les dangers et dommages que ces écosystèmes subissent, notamment le changement climatique, les catastrophes naturelles ou la désertification. Et beaucoup de choses sont dues à l'homme. Et donc, l'homme est au centre des actions qu'il faut faire et aussi pour répondre aux couches aux éléments les plus vulnérables de la société qui subissent de plein fouet la dégradation des écosystèmes. Les panélistes ont ensuite intervenu sur les différents éléments. D'abord, la richesse de la biodiversité marocaine et des écosystèmes par M. Mdebouhi. J'essaie juste de faire un petit récap. Monsieur Ben Yahia, le secrétaire général, qui devait conclure, déjà parce que le temps était plus long que prévu, et il a d'autres engagements. Je vais juste faire un petit récap et donner ensuite la parole à Monsieur Mdouahi pour conclure. Donc, nous avons vu à travers la présentation. Ils sont partis. Monsieur Birouk, le son, du coup, il a plus la connexion. On attend Monsieur Birouk qu'il revient. Sa connexion, elle est partie. Bon, je ne sais pas. Donc, je vais prendre la parole pour clôturer la réunion. Monsieur, comme a dit monsieur l'animateur, monsieur Benhia, monsieur le secrétaire général, a des engagements et m'a chargé de vous remercier tous les participants, tous les animateurs. Donc, je laisse la parole d'abord. Continuez, monsieur. Je suis désolé, je crois qu'il y a eu une coupure, mais en tous les cas, pour ne pas alourdir, toutes les interventions étaient très intéressantes, que ce soit celles des différents départements, forêt, pêche maritime, ou département de l'environnement, mais aussi les autres acteurs, bien sûr, tout ce qui est, par exemple, l'UICN, la plus grande organisation à l'échelle internationale avec les solutions fondées sur la nature. Bien sûr, ces solutions peuvent répondre à de nombreux défis, des défis sociétaux, la santé ou la dégradation de la biodiversité. Mais aussi, il y a eu la présentation de M. Idrissi Ammari, coordonnateur du projet FAO-GEF ou ASIL, sur vraiment les réalisations dans le cadre de ce projet. Pour avoir un exemple concret dans un milieu très difficile, le milieu oisien. Et il y a aussi l'intervention d'un acteur actif de la société civile, Mme Zoïda Charouf, de l'association Ibn Baytar, avec tout ce qui est forêt nourricière et tout ce qui est travaux par rapport à l'organier, et M. Ali Freki par rapport à tout ce qui est restauration, et puis des rectifications de concepts et des modifications, et puis attirer l'attention sur ne pas confondre des mots, ni les approches, et puis surtout tenir compte de la partie sociale dans tout cela. Je pense qu'il y aura un résumé par rapport à tout cela, et de toute façon, la présentation sera en ligne, et je tiens pour ma part à remercier vraiment tous les collègues. Moi, j'ai appris beaucoup. Et j'espère que les questions auxquelles nous n'avons pas répondu seront reprises dans d'autres réunions. Et je passe la parole à M. Mdebouhi. Merci. Merci, M. Mirouk. Donc, en guise de la clôture de cet événement virtuel, donc, tout d'abord, je vous informe que l'évaluation nationale sur la biodiversité est dans sa phase finale. Et un premier draft sera examiné par des examinateurs externes avant d'être envoyé, soumis au Comité national du changement climatique et la diversité biologique
pour examen et validation. Donc, il est, donc, il ne reste que après sa validation, on va présenter les résultats lors d'un atelier, soit présentiel ou virtuel. Donc, au nom de Monsieur le Secrétaire Général, je remercie tous les intervenants et les participants pour participer à cette webinaire. Et également, on remercie M. Ahmed Birouk pour l'animation de cette réunion virtuelle. Merci et à une prochaine webinaire, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir et merci à tout le monde et bon courage à tout le monde. Merci. Merci.